à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, on se retrouve pour une émission spéciale. Alors, non pas spéciale parce que Yass n'est pas là. Enfin, même s'il est dans la régie, il n'est pas là pour commenter avec nous. C'est un live, qui est spécial puisque ce soir, il est dédié à la section féminine de l'Olympique de Marseille. On va tenter de comprendre pourquoi donc l'équipe féminine de l'OM subit une telle instabilité, pourquoi le club semble s'être orienté vers, pas si on peut le qualifier comme ça, mais ce sera le but de l'émission de le découvrir, vers un manque de considération envers ses joueuses. Et avant de présenter notre invité spécial, oui, parce qu'on en a un aussi, j'aimerais savoir comment se porte Steven et comment il va. Ah bah écoute, ça va très bien, heureux de vous retrouver encore une fois pour un live dédié à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on va parler des féminines, on n'a pas l'habitude, mais c'est toujours intéressant de s'intéresser à cette section. Donc heureux d'être parmi vous. Et bah heureux aussi de commenter ça et d'être parmi tout le monde. Hein. Et donc maintenant, je vais présenter notre invité. Donc c'est Philippe Serve qui a parmi d'innombrables passions, il est suiveur, commentateur de football féminin depuis, si je ne me trompe pas, 2007. Il a tenu différents blogs d'analyse sur la section féminine de l'OM depuis sa restructuration en 2011. On retrouve ses papiers, ses billets, ses articles sur le blog omféminine.fr, féminine au pluriel, et notamment sa plume sur Massilia Live. On retrouve aussi sur sa chaîne YouTube des analyses ou commentaires autour de la section féminine. Et oui, tu es spécial aussi parce que tu es quelqu'un, Philippe, qui se lève à, je crois, 3h, 4h du mat pour regarder la Coupe du Monde U20 des féminines. Donc, merci à toi en tout cas de venir, ça nous fait très plaisir de nous recevoir et on sait voilà, que tu es un passionné et Anna, tu as couvert et que tu couvres depuis très longtemps la section féminine. Merci Raphaël, merci d'abord de l'invitation, bonsoir à toi, à Steven et à celles et ceux qui nous écoutent. Je dis à celles parce que j'espère qu'il y a quand même beaucoup de filles qui écoutent aussi, hein. On parle quand même de football féminin, donc ça les concerne au premier chef. Et bon, tu dis pas tout à fait la vérité parce que je ne me lève pas à 4h du matin, je ne me couche pas en fait, donc je reste éveillé jusqu'à 6h du matin, voilà, c'est la vérité. Bah, merci pour le petit fact-checking du coup sur ta nuit de sommeil. On espère quand même que tu le rattrapes l'après-midi du coup. Pas vraiment. Mais c'est pas grave, j'habite. Oui, je suis insomniaque, oui, donc ça va. C'est pour ça que tu as beaucoup de passion aussi, j'imagine, parce que notamment je crois que tu es aussi dans le monde du cinéma, on va dire, culturel, etc. Oui, c'est voilà. Ça. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton amour sur l'OM et sur l'équipe féminine et donc un petit mot aussi sur tes travaux de couverture de cette section L'OM, d'abord, je m'y suis intéressé en 1969, pour être précis, ce qui vous donnera une idée de mon âge, lors de la finale de la Coupe de France contre Bordeaux, que l'OM avait gagné 2-0. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur. Je vais donner des arrêts cardiaques à certains qui nous écoutent, mais je suis niçois, je vis à Nice. Et depuis tout petit, je suis aussi un supporter de l'OGC Nice. Donc je supporte les deux clubs. Je suis probablement la seule personne au monde, mais ça ne me dérange absolument pas. Et donc l'OM, voilà, c'est aussi une histoire de cœur depuis plus de 50 ans. Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au football féminin, donc comme tu l'as dit, 2007-2008, et surtout à partir de 2011 et de la Coupe du Monde en Allemagne, qui était quelque chose d'extraordinaire, j'avais qu'une envie, c'était de voir l'OM avoir une section féminine, et c'est ce qui s'est produit. Et donc je m'y suis intéressé tout de suite. Dès la deuxième année, j'ai contacté Christophe Parra, qui en était donc on va en parler certainement de lui assez longuement, qui en était donc le fondateur, si je puis dire, et le coach. Et j'ai vu que c'était très sérieux, que le projet de l'OM était vraiment très très sérieux, d'aller le plus vite possible en D1, d'aller concurrencer, je reprends les termes même de Christophe à l'époque, hein, de concurrencer les gros qui étaient Lyon, le PSG, Montpellier, Juvisy. Et donc j'ai eu envie de suivre cette aventure du bas de l'échelle jusqu'à la D1, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Ok, bon, on va reparler de tout ça, mais avant cela, j'aimerais apporter peut-être plusieurs éléments de contexte autour de l'équipe féminine de l'OM et du foot féminin. Pourquoi aujourd'hui, on va dire qu'il n'est pas forcément très mis en avant. Même s'il est médiatisé aujourd'hui, même s'il y a toujours des lacunes hein, qui subsistent, le football féminin, il a été affecté, il continue à l'être par, j'ai envie de dire, alors peut-être on va peut-être
perte des abonnés, je sais pas, par une réalité aussi un peu patriarcale, parce que voilà, on sait qu'il y a une grosse invisibilisation, il y a un contrôle du corps et des faits et actions des femmes. Donc il y a eu aussi une volonté, je sais pas si on peut qualifier ça de politico-socio-économique, dont les relents sont encore présents, de ne pas mettre en avant le football féminin et de ne pas le construire durablement. On va aussi comprendre que, je ne sais pas si tu confirmes, en tout cas. Oui, oui, complètement. Ça a été, l'histoire du football féminin est absolument passionnante et palpitante, parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'une discipline sportive, c'est vraiment l'histoire d'un combat des femmes pour leur liberté, simplement, de pouvoir pratiquer le sport dont elles avaient envie, et qui ont toujours, toujours eu les bâtons dans les roues par ceux qui dirigeaient le football féminin, le football dans sa totalité, que ce soit au niveau national, français, européen, l'UEFA ou mondial avec la FIFA, et qui ne voulaient pas de football féminin parce que ça faisait de l'ombre. Je pense que tu vas rappeler un peu les origines donc, du football féminin et celui de l'OM. Et dans le passé, donc dans les années 20, il y a pratiquement un siècle maintenant, le football féminin marchait très très bien, quoi, très très bien. Et le football masculin n'était pas encore professionnel, et ça faisait de l'ombre au football masculin. Et donc il y a une réaction qu'on peut appeler purement sexiste envers le football féminin. Les filles devaient aller à la cuisine, quoi. Voilà, c'est ce qu'a dit Bernard Lacombe il y a encore quelques années, hein, à une femme qu'il interrogeait sur une émission de radio comme celle-ci, qui voulait parler de football féminin. Et il s'est énervé en disant que les femmes devaient être à la cuisine avec leur casserole, quoi. Voilà. Mais ça, c'est grave, hein. C'est mais oui, c'est bien sûr. Les relayer. Hein, ah, si, bien sûr, ça a été relayé. Voilà, ça a été relayé. Il s'en est pris plein la tête par les joueuses, évidemment, de l'Olympique Lyonnais, qui sont quand même la meilleure équipe de club du monde au niveau féminin. Donc, oui, ça a des répercussions. Mais il suffit de lire les commentaires sur les réseaux sociaux, sur le site de l'équipe, par exemple, quand il y a un article sur le football féminin, tu lis les commentaires dessous, ou bien sur Twitter. C'est toujours des réactions sexistes terribles, quoi, où les filles se font insulter, c'est pas du football, c'est nul, elles devraient faire autre chose. Enfin, ça a toujours été comme ça, quoi. Et ça continue. Alors, ça l'est un peu moins parce que le football féminin maintenant est plus médiatisé, qu'il y a plus de gens qui se rendent compte tout simplement que c'est un bon niveau. Mais ça se poursuit quand même, quoi. Ça se poursuit quand même. Et pour la petite anecdote, si vous me permettez une petite histoire personnelle. Après, je reprends. Oui, je m'excuse, hein, ça ne sera pas long. Oui, pas de souci, mais bien sûr. Le premier match féminin que j'ai vu de ma vie, c'était donc, ça devait être en 71 ou 72, je ne sais pas exactement, quand le football féminin a été à nouveau autorisé à jouer, si je puis dire, a été intégré par la FIFA et donc par les fédérations nationales, donc la FFF, qui a créé un championnat. Et c'était un match en levée de rideau au Stade du Ré, un match de levée de rideau de l'OGC Nice, qui opposait le vieux Nice, qui était une des équipes pionnières du football féminin, à une autre équipe, je ne sais plus qui c'était peut-être Saint-Laurent-du-Var ou Menton, enfin un club comme ça. Et c'était très mauvais, hein, on ne va pas se cacher les choses, c'était très mauvais. Mais bon, c'était des filles qui jouaient au football, voilà, des gamines qui avaient 14 ans jusqu'à des femmes qui avaient 30 ans et qui faisaient ce qui les passionnait. Bon, et en plus, ce n'était pas facile pour elles, parce que d'un seul coup, elles jouaient devant 7-8 000 personnes, mettez-vous à leur place, quoi, ce n'était pas évident. Et tous les gens autour de moi, à l'époque, il n'y avait pas de femmes dans les tribunes, hein. En plus j'étais dans les populaires, donc il n'y avait que des hommes, qui ont passé leur temps à les insulter, à se moquer d'elles, etc. C'était ignoble, c'était vraiment ignoble. Moi j'étais extrêmement gêné, quoi, mais vraiment, vraiment gêné. Et des hommes qui venaient dans le stade uniquement, j'imagine, pour distiller un peu leur haine, leur propos sexiste, quoi. C'est-à-dire c'était même pas ouais, enfin, ils venaient pour voir le match de foot masculin, hein, de D1, de Ligue 1 ou de Ligue 2, je sais plus en quelle division était à ce moment-là Nice. Tu vois, je me rappelle même pas du match de Nice, mais je me rappelle du match féminin avant, parce que ça m'avait vraiment marqué, quoi. Et j'ai discuté avec des tas de joueuses qui ont joué dans les années 70, 80 et puis plus récemment, etc. Enfin, j'en connais vraiment énormément, et elles m'ont toutes dit qu'elles avaient eu les mêmes problèmes, quoi. Quel que soit le niveau, que ce soit le plus bas niveau au niveau division, quoi, ou que ce soit même au niveau première division, etc., elles ont toujours eu ce problème de rejet par une partie des supporters masculins du foot, quoi. Et pour effectivement, hein, merci d'apporter plus d'éléments. Et tout à l'heure, tu parlais donc des années 1920.
Donc c'est là que la section féminine de l'OM commence son histoire, avant de se voir amonestée durant la Seconde Guerre mondiale avec sa suppression. Il faut attendre les années 60 pour que la section revoie le jour, et 1970 pour être reconnue par la FFF, la Fédération française de football. Ensuite, elle a été abandonnée à nouveau en 1986, donc ce qui signifie que l'OM il ne s'inscrit pas dans la professionnalisation du foot féminin, qui était de vigueur dans les années 80-90, parce qu'on sait qu'il y a eu aussi la Coupe du Monde donc du foot féminin en 1991. Pardon. Et il y a plusieurs clubs du championnat français aux alentours, hein, notamment Lyon, qui prend lui le chemin de la professionnalisation, et l'OM ne le suit pas du tout. Et bon, par contre, je parlais de la suppression en 86. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'éléments. J'ai l'impression que les contours de cette suppression sont flous. Clip, je me tourne vers toi. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une grosse instabilité sportive que le club n'a pas voulu, à vous la supprimer pour ça, ou alors il y a d'autres raisons si tu es au courant, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, mais l'équipe était descendue en D2 en 83, je crois, 82 ou 83. Jusque-là, elle avait été en première division, elle avait même fait une demi-finale de championnat. Et en 82 ou 83, il faudrait vérifier, elle descend des deux. Et c'est au bout de 2-3 ans que la section, effectivement, ferme ses portes, quoi. Donc peut-être qu'ils ont considéré que ça ne valait pas le coup. Il faut savoir que le football féminin est complètement amateur. Et même à l'époque, hein, tu disais professionnalisation, mais attention, le football était et est encore en France football amateur. Aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 clubs dont on peut dire que les sections féminines sont professionnelles, c'est Lyon, le Paris Saint-Germain et sans doute Montpellier. Et je pense que ça s'arrête là, quoi. Et Montpellier qui était dans les années 80-90 d'ailleurs aussi un des clubs aussi forts, donc ça montre que pour se professionnaliser, il y a une longue préparation, ce que l'OM n'a pas. Oui, tout à fait. N'a pas tout su à faire. Fait. Et maintenant, Steven, je m'adresse à toi. Donc, comment s'articule le retour aux affaires, donc, parce que la section féminine de l'OM revoit le jour à nouveau donc, en 2011. Oui, c'est ça. C'est début des années 2010, donc en 2011, que l'OM fait revenir la section féminine. Et c'est Christophe Parra donc, qui a été choisi pour prendre la tête de l'équipe. Et moi, j'avais une question justement à ce sujet, Philippe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la personne, un petit peu plus, et dans quel contexte il débarque à l'OM? Alors, le contexte, d'abord, il faut le remettre dans le contexte national de la Fédération française de football en 2010. Donc, Noël Le Graët, qui se rend compte, parce que l'équipe de France progresse, elle a disputé en 2009 pour la première fois des quarts de finale au championnat d'Europe des Nations. Lyon, l'équipe de Lyon féminine est la première équipe française à arriver en finale de Ligue des Champions en 2010. Donc, il sent que ça bouge, quoi. Et il veut instaurer, même si ce n'est pas dit officiellement comme ça, à terme, il a pour objectif d'avoir une première et une deuxième division féminine à l'image de la Ligue 1 et de la Ligue 2 masculine, c'est-à-dire avec les mêmes clubs. Et donc, pour ça, il faut que les clubs professionnels masculins créent des sections féminines. Il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Hein. En 2010, il n'y en a pas énormément. Bon, il y a Lyon, il y a le PSG, il y a Montpellier, mais tout ça, ça s'est fait relativement lentement et difficilement. Et très peu de clubs, en fait, ont été assez motivés pour créer leur section féminine en disant, bon, on y va à partir de zéro. Voilà, on crée notre section féminine en prenant les risques de partir du bas de l'échelle, etc. Le PSG l'a fait, mais Lyon, par exemple, ne l'a pas fait. L'Olympique Lyonnais a créé sa section féminine en fusionnant avec un club féminin, le FC Lyon, c'est pas une blague, c'est vraiment le FC Lyon, qui était déjà 2 fois champion de France féminine, donc en accédant directement évidemment en D1. Montpellier même, qui était le premier pionnier, hein, Loulou Nicolas, c'est celui qui a été le premier à croire en le football féminin, et qui ensuite a poussé son ami Jean-Michel Aulas à y croire aussi. Montpellier a fusionné et aussi avec 2 petites équipes de la Paillade, 100% féminines. Saint-Étienne, l'AS Saint-Étienne a fusionné avec le Racing Club de Saint-Étienne qui était féminin. Guingamp a fusionné avec Saint-Brieuc qui était déjà en première division et qui était une équipe féminine. Donc la plupart, ça se passe comme ça. Et donc Noël Le Graët essaye de pousser tous les clubs masculins professionnels à créer une section féminine, dont bien entendu l'OM. Et l'OM accepte.
Donc à l'époque, on est à l'époque de Vincent Labrune et de son bras droit qui est José Anigo, hein, on est d'accord. Et bon, moi, je ne suis pas un inconditionnel du tout de José Anigo, je préfère le dire franchement. Mais s'il y a une chose où je veux bien lui tresser des lauriers, c'est son positionnement et son comportement par rapport à la création de la section féminine. Sa politique a été parfaite, il faut le dire. Donc, il prend effectivement la décision de créer la section en 2010. Et la question qui se pose à l'OM, c'est est-ce qu'on y va avec nos propres forces, comme l'a fait le PSG des années auparavant, ou bien est-ce qu'on essaye de fusionner avec une équipe locale de Marseille qui a déjà un pied quelque part dans la hiérarchie divisionnaire. Et il y a un club qui a effectivement un pied en D2, c'est le Celtic de Marseille. Et le Celtic de Marseille qui est en train de faire sa mue parce que bon, c'est une équipe assez ancienne où il y a des futures grandes joueuses qui y sont passées, mais qui a eu un gros incident d'après-match, après un match avec la VG à Saint-Maur, et qui a été exclu de toute compétition pendant quelques temps, et qui a failli complètement mourir. Et donc le Celtic Marseille change juste à ce moment-là d'identité, devient le FA Marseille, en se refaisant une virginité totale, en repartant sur des bases beaucoup plus saines. Et donc l'OM approche le FA Marseille pour voir s'il y a possibilité de fusion, ce qui faciliterait les choses. Et le FA Marseille n'est absolument pas intéressé. Ils sont en train de faire un gros effort justement pour remettre les pendules à l'heure dans leur club qui est quand même très ancien, qui a son histoire, quoi. Et on sait que les fusions en football féminin, c'est pas des vraies fusions, c'est des absorptions. La petite équipe qui fusionne, elle est absorbée et au bout d'un an ou deux, tout a disparu, quoi. Son historique, sa culture, tout a disparu. Donc le FA Marseille refuse tout à fait logiquement. L'OM n'était peut-être pas non plus très, très motivé pour le faire. Et effectivement, on va chercher donc Christophe Parra, qui est l'entraîneur de la Ciotat à ce moment-là, qui est un jeune entraîneur. Je pense qu'il devait y avoir déjà des connaissances avec José Anigo, je ne sais pas trop. Et on donne les clés à Christophe pour qu'il crée donc de A à Z la section féminine en partant du bas de l'échelle, c'est-à-dire du district. Et ce qui est très important, c'est que il ne s'agit pas uniquement de monter une équipe première qui va jouer le championnat en district, mais il s'agit de ça, Christophe m'en a beaucoup parlé à l'époque, de bâtir des fondations extrêmement sérieuses de la section. C'est-à-dire d'y aller petit à petit avec une équipe première, mais des équipes de jeunes, une école de football pour les gamines, qui de toute façon, arrivée à un certain stade, sera obligatoire, rendue obligatoire par la fédération, etc. Donc de faire quelque chose de très très sérieux, quoi. Et voilà, c'est un défi qui intéresse beaucoup beaucoup Christophe, qui a une approche à l'époque très humaniste, je dirais, du football. Bon, il aime bien donner son image un petit peu de philosophe du football. Il a eu comme professeur, quand il a passé son diplôme d'entraîneur, Bruno Bini, qui était le sélectionneur de l'équipe de France à l'époque, et qui a été appelé le poète, quoi, Bruno Bini, lors des stages de l'équipe de France. Il récitait des poèmes, il mettait des chansons, enfin bon, il avait une vision très, très, très humaniste et très philosophique, très poétique du football. Et ça a un peu déteint. Aujourd'hui, il me semble entraîneur de la section féminine de la Chine, il me semble, c'est ça ? Non, il l'a été, mais maintenant il est à la retraite. D'accord. Okay. Il l'a été en 2016, je crois, au moment des Jeux Olympiques de 2016 de Rio. Et donc, voilà comment Christophe bâtit son équipe. Et moi, je le rencontre pour la première fois en 2013, donc au moment où l'équipe est en train d'achever sa deuxième année, c'est-à-dire en division d'honneur Challenger, puisqu'à l'époque, il y a cinq niveaux, hein. Il y a le district, qui est donc le plus bas, il y a la division d'honneur Challenger, la division d'honneur Elite, la deuxième division et la première division. Okay. Et donc, je le rencontre vers la fin de la saison division d'honneur Challenger, et il me dit très très nettement, quoi, que l'objectif qu'il a et que le club a, c'est d'aller le plus vite possible en D1 féminine, donc de franchir tous les échelons un par année, et une fois en D1, ne pas s'y arrêter, si je puis dire, mais d'aller concurrencer Lyon, le PSG, Juvisy, qui est aussi un grand club 100% féminin et un grand club de l'époque, qui maintenant est le Paris FC, c'est ça. Qui était, oui,
qui a fusionné. On peut dire que là, c'est une fusion qui a plutôt bien marché, qui a fusionné avec le PFC. Et puis Montpellier, quoi. C'est les quatre grands clubs qui dominent. Et donc, l'ambition, c'est ça. Et le club va donner vraiment les moyens à Christophe de sa politique, quoi. L'OM lui donne les moyens. Il reste 11 ans au club. Donc, oui. Comment toi, tu expliques sa longévité? Et après, j'aimerais, une fois que tu aurais répondu, peut-être éventuellement répondre à la question qui est pourquoi il reste autant de temps malgré une instabilité, on va dire, importante dans les résultats. Ben ça, c'est un peu mystérieux, parce que un entraîneur qui reste 11 ans dans un club... Tout comme l'OM. C'est absolument unique, quoi. Ouais, bon, alors à l'OM masculin, j'en parle même pas. Mais même dans le football féminin, en général, un entraîneur, ça reste 3-4 ans, quoi. Disons 4 ans, et ça fonctionne bien. Donc là, il aurait pu, sans problème, rester jusqu'à la redescente en deuxième division. C'est là où j'ai pas compris qu'il reste encore. Je pense que c'était un signe, donc ça faisait combien d'années? Ça faisait, il avait fait district, les deux DH, deux fois la D2, D1, la deuxième D1. Donc ça faisait 7 ans qu'il était au club, ce qui faisait déjà longtemps. Et l'équipe redescend D2, alors qu'elle avait été quatrième de D1 l'année précédente. Hein. Donc c'était un échec total, on en reparlera peut-être. Oui, c'est... À mon avis, il aurait dû démissionner. Mais bon, c'est quelque chose qui le regarde... Ça, c'est sa décision à lui, quoi. Mais je pense que le club aurait dû s'en séparer à ce moment-là, effectivement, pour redonner un coup de boost, quoi, à l'équipe. S'il est resté en place, à mon avis, c'est que la direction s'en est complètement foutue. C'est que l'équipe se foutait complètement de la section féminine. C'était tout sa priorité, quoi. Mais du coup, toi, d'un point de vue personnel, tu trouves que c'était pas du tout un entraîneur calibré pour la D1? Non, je dis pas ça parce que la première année en D1, donc l'année où l'OM termine quatrième, il a été élu d'ailleurs meilleur entraîneur de D1. C'était un exploit, hein. Un promu qui termine quatrième en division en football féminin, ça arrive jamais. Ça peut arriver en football masculin, mais en football féminin, ça n'arrive jamais, quoi. Il y a un tel écart entre la D2 et la D1, et entre le bas de la D1 et le haut de la D1. Que franchement, c'est quasiment impossible. Donc, c'était un véritable exploit. Ils ont devancé Juvisy quand même cette année-là, quoi, qui a terminé cinquième. Et avec un départ catastrophique, l'OM perd ses 6 premiers matchs, quoi. Donc, au bout de 6 journées, et la D1, il y a 12 équipes. Hein, donc, il n'y a que 22 journées. Hein. Donc, 6 journées, c'est plus que le quart, quoi. Au bout de 6 journées, l'OM est dernier, 0 point, quoi. Et puis, l'équipe bat Juvisy, qui est un exploit, qui est un vrai exploit. Et ensuite, là, ça lance plus la saison. Ouais. Voilà, et là, ça lance complètement dans la saison. L'équipe bat le Paris Saint-Germain au match retour 2-0, ce qui est le grand exploit de l'histoire de l'OM féminin. Là, il n'y a pas de problème. Parce que le PSG avait été finaliste de la Ligue des Champions l'année précédente, quoi. Bon, donc, c'était quand même pas rien. Mmh. Et l'équipe termine quatrième. Donc, Christophe a vraiment montré des qualités d'entraîneur, des qualités de leader de groupe aussi. Mais je pense qu'il y a eu une usure. Et à la fin de cette saison-là, surtout, il aurait fallu... Enfin, tout le monde s'y attendait, quoi. Moi, j'ai discuté avec des gens qui ne sont pas des supporters de l'OM, mais qui sont dans le milieu, compris des anciennes internationales, etc., féminines. Mm-hmm. Tout le monde s'attendait à ce que l'OM passe d'une vitesse supérieure, puisqu'elle avait terminé quatrième, assez loin du podium. Hein. Il y avait un gros écart entre la quatrième et la troisième place. Elle s'était fait battre très largement par les trois équipes qui étaient devant. Donc, il y avait un écart à combler. Philippe, elles avaient un jeu qui s'articulait comment, justement, pour battre Juvisy, le Paris Saint-Germain, pour repartir sur des bonnes bases après avoir perdu une certaine série de matchs? C'était un jeu très collectif, hein, un jeu technique, assez intelligent, bien articulé, qui retrouvait, en fait, un petit peu les qualités de base que l'on avait vues la deuxième année de DH et la première année de D2, qui pour moi ont été les meilleures années de l'OM au niveau du jeu pratiqué. Les joueuses étaient moins spectaculaires, moins calibrées, moins expérimentées évidemment que celles de D1, mais le jeu était vraiment très très agréable à voir, quoi. Et je pense que Christophe a su redonner ce style de jeu-là, qui était un jeu technique à base de possession, des jeux en triangle, etc. Un jeu intelligent, je dirais, hein.
Et puis, bon, aussi, ils ont eu une super gardienne de but cette saison-là, donc la première année de D1, qui était Pauline Perromagnin, qui aujourd'hui est la gardienne numéro 1 de l'équipe de France. Il vient de jouer l'Euro, qui est la gardienne de la Juventus de Turin, avec qui elle accumule les titres en Italie. Donc, elle avait fait une saison extraordinaire et elle a beaucoup, beaucoup, évidemment, compté dans la quatrième place de l'OM, hein, faut pas se le cacher. Et à la fin de l'année, donc, tout le monde s'attendait à ce que le club fasse un pas encore en avant, c'est-à-dire un professionnalise vraiment l'équipe, puisque l'équipe était toujours rattachée à l'association sportive de l'OM, comme le centre de formation, je crois que les U19 aussi masculins se relèvent de l'association sportive. Donc on attendait que l'équipe soit vraiment professionnalisée et puis que des grosses pointures supplémentaires arrivent, et notamment peut-être des internationales étrangères, parce qu'on sait très bien que pour briller en D1, il n'y a qu'à regarder les effectifs de Lyon ou du PSG, il y a des grandes stars internationales, qu'on ne peut pas faire autrement. Et au lieu de ça, c'est la catastrophe totale. C'est-à-dire que... Je voulais en venir, excuse-moi de te couper. Oui, je t'en prie. Avant de poser une question, bon, j'aimerais saluer les gens qui sont dans le chat, qui sont réveillés. Il y a Dominico, 1331, qui est là. Il y a Elbrus, qu'on remercie aussi. Souter de Best Forever, qui a ajouté un follow à notre chaîne. Donc ça, c'est assez important. Merci à lui et merci à vous de venir, les gars, dans le chat. Et, excuse-moi, donc on va reprendre le fil de l'émission. Philippe, donc tu disais que cette année-là, donc 2016-2017, l'OM arrive 4e de D1, bat le PSG, bat Juvisy, a une très bonne gardienne. Mais aujourd'hui, ça reste l'un des seuls espoirs, on va dire, du club, puisque la saison suivante, le club, il reprend la pente sinueuse et on voit le départ de 12 joueuses au Mercato Estival. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y a beaucoup de joueuses qui sont parties, qui rentraient pas dans les projets de Christophe, qui n'étaient pas des titulaires de l'année où l'équipe a terminé quatrième, mais qui étaient des joueuses importantes parce que c'est celles qui avaient amené l'OM en première division et qui donc étaient titulaires en D2 et qui formaient un groupe, un groupe très sain et très amical entre elles. C'était le ciment, en quelque sorte, du groupe. Et je pense que le départ de ces joueuses-là, même si elles n'étaient pas titulaires, même si Christophe considérait qu'elles n'avaient pas le niveau du haut niveau de la D1, ça a cassé quelque chose dans le groupe. C'est une interprétation, une hypothèse personnelle. On peut être imaginons en masculin avec Amine Harit, Jordan Amavi, etc. Des joueurs qui ne sont peut-être pas titulaires indiscutables, mais qui apportent une grosse ambiance ou une bonne ambiance dans le vestiaire. Oui, au-delà de l'ambiance, moi je trouve que le fait qu'ils s'entendent bien, même en dehors des terrains, moi je trouve que ça soude une équipe, même si le niveau est moins élevé. Le fait que voilà, tu t'entends bien, tu as envie de faire les efforts pour les autres, bien sûr. Moi, je trouve que forcément, les résultats, ils vont forcément suivre. Et quand tu as des joueuses un peu plus élevées, un niveau un peu plus élevé, mais qui ne s'entendent pas, le niveau, il sera pas pareil. Tu n'as pas envie de te dépenser pour tes copines, tes copains. Et après, tout de suite, tu vois la cassure et les résultats derrière. Oui, et puis le très mauvais signe qu'a lancé le club, ça a été de laisser partir Pauline Perromagnin, qui avait été tellement importante. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, alors Jean-Paul conditionnel, parce que j'ai jamais eu la preuve que c'était vrai, mais j'ai jamais eu la preuve contraire non plus, l'OM aurait refusé une augmentation salariale et une révision de son contrat, qu'elle méritait très largement, et lui aurait refusé ça. Et du coup, bon, ben, elle est repartie à Lyon, puisqu'elle avait été formée au départ à Lyon, et ensuite elle a un peu fait des pérégrinations pour être aujourd'hui, donc, comme je disais, à la Juventus et la gardienne de l'équipe de France. Et le départ de Pauline Perromagnin a été vraiment un très, très mauvais signe, quoi. Très, très mauvais signe, parce que derrière, il n'y a eu aucune recrue substantielle. Les joueuses qui ont été recrutées, c'était d'abord au dernier moment, mais vraiment dans la panique totale, et c'était des joueuses de deuxième ou troisième niveau, quoi. Et celles qui étaient... Dans ton blog, d'ailleurs, tu disais qu'en plus des départs, c'était l'âge moyen du groupe qui s'est considérablement réduit aussi. Oui, c'est surtout l'année suivante que ça s'est réduit. La deuxième année de D1, l'année donc où elles vont terminer dernier et descendre, l'effectif est encore très bon, hein. Il est encore très proche, à part Pauline Perromagnin, il est encore très proche de l'année précédente. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé visiblement, et je pense que c'est à l'intérieur du groupe que ça s'est cassé. On a vu des joueuses qui avaient été très performantes, donc la première année de D1, comme Viviane Assayi, par exemple,
qui vient de passer 2 ans au Bayern Munich et qui maintenant est parti à West Ham, international, comme Kelly Gadea, même Caroline Pizzala, hein, qui était la capitaine de l'OM. Tout d'un coup, on a vu leur niveau baisser considérablement sur le plan individuel, quoi. Pourquoi ? Mystère. Est-ce vraiment que mystère. Aussi le contexte, donc à la fin de la saison 2017, même début saison 2017-2018, le club est vendu. On part de oui. Roberta Louis-Dreyfus qui part avec la Brune et le staff en place, etc. Donc même Anigo de Margarita. Margarita, pardon, excusez-moi. Oui. On sait que voilà, il y a un gros chamboulement dans le staff, on va dire que José Anigo, qui était, comme tu l'expliquais, des instigateurs ou celui qui a contribué à la réforme, à la refonte des féminines, qui part, etc. Donc est-ce que c'est pas le chamboulement de la vente, de l'avant-vente, du coup, parce que j'imagine que tu parlais de la revalorisation salariale. Et un club qui s'apprête à être vendu, est-ce que c'est ça ce qui explique Oui, la vente s'est produite en fait pendant la saison, hein, si j'ai bonne mémoire. Ça a dû se passer à peu près au moment de la trêve hivernale. Quand McCourt est arrivé avec Hérault comme président, il est certain qu'ils ne se sont pas du tout occupés de la section féminine, ils l'ont laissé aller jusqu'au bout de la saison comme elle allait. Bon, et comme elle allait très bien, qu'elle a terminé quatrième, ils en étaient très contents. Et il est tout aussi évident que leur priorité absolue, c'était de restructurer tout le club, de se débarrasser effectivement de Anigo, de toutes les personnes que Anigo avait mis en place, et Dieu sait s'il y en avait. Le mercato des joueurs, établir des nouveaux objectifs. Enfin bon, on a connu ça, hein, donc c'était une période effectivement très nouvelle, très incertaine. Et il est évident que l'équipe féminine, qui ne rapporte rien, hein, financièrement, elle rapporte strictement rien, elle coûte de l'argent, n'était pas du tout la priorité. Et qu'ils ont dû se dire, je suppose, elle a terminé quatrième avec les moyens qu'elle avait, elle peut faire aussi bien avec les mêmes moyens l'année prochaine. Or, il fallait mettre plus de moyens, il fallait passer la vitesse supérieure. Est-ce que Christophe Parra lui-même, à partir du moment où José Anigo était parti, s'est senti fragilisé quelque part? Est-ce que ça a modifié son comportement? J'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. On peut faire que des hypothèses dont on n'aura pas les réponses. Mais ce qui est certain, c'est que l'équipe a été méconnaissable. Quoi. Vraiment méconnaissable l'année suivante. Que le recrutement a été fait n'importe comment. Il n'y a eu qu'une vraie, très bonne joueuse reconnue qui a été recrutée au dernier moment, une semaine avant le début du championnat, qui était une internationale islandaise, Fredriksdottir, qui devait déjà avoir 70 ou 70 sélections en équipe nationale, qui a beaucoup joué, qui a marqué un seul but, qui n'a pas du tout été à son niveau, quoi. Et après, les joueuses que Christophe a recrutées, soit il ne les a pas fait jouer du tout à leur poste. Il a par exemple recruté une jeune internationale mexicaine qui était une pure numéro 6. Et il l'a mise tout de suite en numéro 3. Ce n'était pas du tout son poste. Donc, il l'a fait jouer 2-3 matchs, ça n'a pas marché, évidemment. Je veux dire, ce n'était pas son poste, quoi. Et après, il l'a mis en réserve, alors qu'elle était internationale mexicaine, quoi. Et elle est toujours internationale mexicaine. Maintenant, elle est retournée au Mexique, elle joue pour les Tigresses, le club de Gignac et de Thauvin, qui est le meilleur club féminin aussi, hein, au Mexique. Et donc pourquoi il pouvait faire ça? Est-ce qu'il y avait, enfin, il était un peu seul aux manettes, il était seul aux commandes, enfin, comment il a pu structurer, etc. Et être resté autant de temps malgré une grosse... Non, de toute façon, Christophe était le patron de toute la sélection féminine. Donc, sans mettre du tout en question sa mentalité, ou encore moins son intégrité morale, etc., il était le patron, il pouvait faire pratiquement ce qu'il voulait, oui, ça c'est sûr. Et surtout, moins la direction s'implique dans la section féminine, plus le responsable de la section féminine, il a les mains libres. Hein, il a les clés, forcément. Et moi, j'ai une petite anecdote concernant la saison juste après, la fameuse saison 2017-2018, où Marseille est d'une faiblesse assez affolante, où on a vu des joueurs sous-performer et tout ça. Et l'anecdote, c'est que Sandrine Bretigny, à ce moment-là, c'est une ex-joueuse qui a arrêté sa carrière, donc qui était membre du staff de l'équipe, qui rechausse carrément les crampons pour pallier aux problèmes offensifs de l'équipe. Et ça, c'est symptomatique d'un réel problème qu'il y a eu cette année-là.
Et à la fin de la saison, Marseille est relégué carrément en deuxième division. Et oui, oui. Aujourd'hui, on voit que ça fait trois saisons, il me semble, si je ne me trompe pas, que l'équipe elle stagne en deuxième division. Même si elles étaient remontées, il me semble, et que ensuite elles sont redescendues juste derrière. Donc moi, ce que je me demandais, c'est Philippe, est-ce que toi tu sais si le problème il est uniquement sportif ou si c'est d'autres raisons, donc le fait que plus haut la direction s'occupe pas forcément des féminines, donne pas forcément de budget pour le recrutement, un cible sous passer les bons profils, les prolongations de contrats pas donnés. Enfin, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer ce problème-là? Alors, au niveau budgétaire, je ne sais pas du tout quel est le budget aujourd'hui de l'OM féminin. Mais dans les années où l'OM est monté en D1, puis était en D1 et redescendu, le budget était très conséquent. C'était un très bon budget. Ce qui pose encore plus la question au niveau de l'absence sérieuse de recrutement pour la deuxième année en D1, quoi, et sur les années qui ont suivi ensuite. Mais quand l'équipe est donc redescendue au D1 la première fois, après ses deux premières saisons donc en D1, hein, quatrième puis dernier, là, la politique de recrutement a complètement changé. La politique établie a été on part avec uniquement des jeunes joueuses du coin. C'est fini le recrutement avec des grandes joueuses, c'est fini. Même quand l'OM était en D2 la première fois, Christophe avait fait venir des joueuses qui avaient une expérience de D1 très importante. Il y avait eu Léa Rubio, il y avait Caroline Pizzala, Sandrine Bretigny qui était la légende de l'Olympique Lyonnais quand même, hein, était venue en D2. Voilà, était venue en D2, etc. Nora Coton-Pelagie était venue en D2 et tout. Là, changement complet de politique, on fait avec le centre de formation. Alors, c'est vrai que les petites jeunes, les U18 de l'OM étaient assez talentueuses, mais ce n'est pas avec que des U18, ou même, quand je dis des U18, ça veut dire que des filles qui ont 17 ans, hein, pas juste 18 ans, quoi, que tu peux à la limite remonter en D1, c'est ce qu'elles avaient fait, mais tu ne peux pas t'y maintenir, quoi. Ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc pour faire un retour sur on va dire aujourd'hui, hein, cet été il y a eu un grand coup, il y a eu un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire que voilà, où, comme tu as expliqué pendant 3 ans, où il y a eu où l'OM s'est basé sur le recrutement de jeunes joueuses de la région, etc. Là, aujourd'hui donc il y a un premier coup de dans la fourmilière qui est le départ de Christophe Parra, donc qui quitte le club après être arrivé 7e sur 13 en deuxième division. Oui, qui est parti pendant la saison, hein. Il n'est pas parti à la fin de la saison, il a été débarqué pendant la saison. Et donc pourquoi, en fait, son départ, il s'est fait dans un silence de plomb, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu très peu, voire quasi pas. Ouais, aucune info. Hein. Ouais. Alors là, je peux vous dire que vous n'entendrez jamais à l'OM féminin parler des départs. Jamais. Jamais, jamais. Depuis que je suis la section de l'OM féminin, il n'y a aucun départ de joueuse, de coach, j'en parle même pas puisqu'il n'y a que Christophe, hein, puisqu'il était là depuis l'origine, et aucun départ de joueuse, y compris les plus importantes, qui n'avait été signalé. J'avais poussé des coups de gueule, moi, sur mon blog, et c'est à partir de là, d'ailleurs, que j'ai eu des problèmes avec certaines personnes à la section féminine de l'OM, qui me le reprochaient, parce que eux ne signalaient jamais les départs. Jamais, en leur disant merci pour les années, pour ce que tu as fait, etc., bonne chance. Non, jamais. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Oui, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les joueuses, elles communiquaient elles-mêmes, en fait, leur départ. Et c'est oui, absolument. Ça. Absolument. Mais c'est le seul club que je connais en France, enfin, en France au monde, parce que moi, je suis le football international, c'est le seul club que je connais qui ne signale pas les départs, quoi. C'est quand même incroyable. C'est un manque de... C'est un manque de reconnaissance, un manque de politesse élémentaire de pas le faire, quoi. Et donc, effectivement, quand Christophe est parti, bah, ça a été pareil, ils ont fait pareil. Christophe a été débarqué en milieu de saison, après 11 ans au club. C'est comme s'il n'avait jamais existé, quoi. C'est ignoble. Parce que quand même, on peut lui reprocher peut-être les échecs des dernières années, je veux bien, mais quand même, tout ce qu'il a fait avant, c'est à son crédit, quoi. Ce qui est assez spécial, c'est que, comme tu expliquais, qu'il était un peu seul aux commandes, et puis quand il part, bah, on dit rien, quoi. On lui,
On ne communique pas sur. On lui met la responsabilité, comme tu as dit, des échecs éventuellement, alors qu'on lui avait mis toute le. On lui avait laissé gérer seul, j'ai envie de dire, donc c'est peut-être assez compliqué de le faire ensuite, faire partir dans un silence de plomb. Mais c'est la méthode. Là, si tu regardes, l'OEB a perdu une dizaine de joueuses là, à l'intersaison, des joueuses importantes, hein, des cadres, vraiment des cadres. Aucune n'a été signalée. L'OM a énormément communiqué, et très bien d'ailleurs, hein, il faut l'en féliciter, sur les prolongations de joueuses et sur les arrivées, sur les nombreuses arrivées, mais il n'y a pas eu un mot sur les départs. Et justement, avant d'évoquer ces prolongations arrivées au sein des, enfin, pour les joueuses, on informe que c'est Yacine Guesma qui a pris les rênes de l'équipe. Et là, je m'adresse auprès de Steven qui a concocté un petit portrait. Ouais, j'ai quelques mots concernant Yacine Guesma. Donc, c'est un jeune entraîneur qui a 35 ans. Donc, c'est le nouvel entraîneur de la section féminine. Donc, il a signé pour 2 saisons. Il est originaire de la région parisienne. Il a un passif d'éducateur et de recruteur au Paris Saint-Germain. Que ce soit féminine ou masculine. Il a commencé avec les masculins, il a basculé ensuite avec les féminins. Il a entraîné le GSPO ici en 2016 pendant 5 ans. Donc il a amené ici de la DH, donc anciennement DH Elite, jusqu'à aujourd'hui R1 féminine, jusqu'à aujourd'hui la D1 Arkema. Bon, aujourd'hui, à la fin de saison dernière, ils sont redescendus, mais quand ils quittent le club, ici est en D1 Arkema, puis dirige le Stade Brestois en deuxième division l'année dernière, toute la saison, et décide de partir donc aujourd'hui à l'Olympique de Marseille féminin. Et ses particularités, c'est que c'est un jeune entraîneur qui pratique un jeu offensif, donc avec un pressing fort, un pressing haut. Donc il a été nommé par Alban Sanchez, qu'on présentera également plus tard, donc avec une volonté de donner une identité OM à ces équipes. Donc moi, ce qui m'a fait penser à ce profil, c'est que vraiment, on a l'impression que des femmes jusqu'aux hommes, on a une identité forte. Donc derrière ce jeu très haut, ce droit au but entre guillemets de l'Olympique de Marseille et ce pressing. Donc vas-y, je te laisse finir. Oui. Donc derrière, Marseille a annoncé 12 prolongations, 11 arrivées. Donc on parle d'un renouvellement. Et moi particulièrement, ça m'a fait penser à la saison 2015-2016 où Marseille donc renouvelle pas mal avec ses prolongations. Est-ce que c'est une situation qui est similaire pour toi? Et est-ce que c'est une bonne méthode pour revenir sur le devant de la scène? Alors, je suis assez partagé. D'abord, bon, un mot peut-être sur l'entraîneur, Yamin Gessia. C'est un bon entraîneur, effectivement. C'est intéressant qu'il arrive. Comme tu as dit, c'est un jeune entraîneur, hein, 35 ans, mais avec déjà beaucoup d'expérience. Ouais, c'est ça. Et ce qui pousse à l'optimisme, c'est ce qui s'est passé à Issy, quand il était à Issy, ex-Issy les Bouillons, en première division. L'équipe était donc en difficulté lorsqu'il l'a amené en première division. C'était une année très difficile. Il est très difficile pour les promus de se maintenir en première division. Comme je disais, les écarts sont tellement grands que c'est très, très difficile. Et il a été débarqué de son poste en milieu de saison, sans qu'il y ait vraiment aucune raison, quoi. Bon, c'était difficile, mais il n'était pas encore relégué. Je veux dire, il était à la lutte pour le maintien avec 4 ou 5 autres équipes, comme cela se fait normalement. Et les joueuses de ici se sont mis en grève pour le soutenir, pour qu'il soit réintégré à son poste. Ce qui est quand même très rare, c'est un signe très très fort. Je veux dire, des joueuses qui se mettent en grève, moi j'ai vu ça nulle part, quoi. Donc ça montre quand même qu'il y avait un lien certainement très fort qu'il avait réussi à établir entre lui et son groupe féminin. Moi je connais beaucoup d'équipes, je ne vais pas en citer. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui connaissent très très bien le football féminin, ils sont de qui je pense et à quel club je pense, mais le plus souvent, on voit plutôt les groupes de joueuses qui font débarquer par leurs dirigeants leur entraîneur qui ne leur plaît pas, quoi. Ça, c'est assez fréquent. Mais le contraire, de faire grève pour que le coach soit réintégré, c'est vraiment exceptionnel. Donc, ça, c'est un point quand même, je trouve, très positif si l'on se penche sur la personnalité
de Yacine Guesmia. Tu parlais de quel club, justement, Philippe? Ici. D'accord. Dont il a été débarqué? Ouais, il a été débarqué de ici, ouais. Voilà. Et donc, il a été remplacé. Visiblement, il devait y avoir un règlement de compte à l'intérieur du club ou quelque chose comme ça, quoi, parce qu'il n'y avait pas de raison pour le débarquer. Il était remplacé et son remplaçant n'a pas fait des miracles puisque l'équipe est redescendue en D2. Ouais, et donc, à ce moment-là, ouais. Voilà. Et donc, Yacine Guesmia est parti à Brest, comme l'a dit Steven. Ça s'est pas formidablement bien passé puisqu'il a terminé, je crois, 10e. Il a joué les barrages de maintien et il a gagné les barrages. Donc Brest continuera en D2 la saison qui vient dans le groupe A. Hein, c'est pas le même groupe que l'OM. Et donc voilà, il arrive à l'OM. On rappelle à ceux qui nous suivent que l'OM est dans le groupe B. Il commence la saison commence le 11 septembre prochain. Oui, et il y a quelque chose peut-être là. On peut ouvrir une parenthèse si tu veux pour l'organisation de la D2, parce que c'est quelque chose de très très important, c'est que ça va être réorganisé à partir de la saison prochaine, ce qui va poser des gros problèmes pour cette saison-là, celle qu'on va commencer maintenant. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a D1, D2, Régional 1, d'accord? Ça. Et à partir de la saison prochaine, il y aura une troisième division qui va être créée entre la D2 et le Régional. Et pour créer la troisième division, on va fusionner donc l'an prochain les deux groupes de D2. Il n'y aura plus qu'un seul groupe de 12 équipes. Actuellement, il y a deux groupes de chacun 12 équipes. Donc, mais il y a pas mal d'équipes qui vont descendre. Exactement. Ouais, il y aura donc, plus d'équipes qui vont descendre. Pour cette saison, à la fin de la saison que l'on va commencer maintenant, le premier de chaque groupe va monter en D1, comme d'habitude, mais on n'a plus les deux derniers, donc le 11e et 12e, qui vont descendre en Régional 1. Mais on va avoir le 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e, soit 6 équipes, la moitié de chaque groupe, qui va être reléguée en D3. Donc d'accord. On rappelle que la place de l'OM, en plus, c'est cette saison, enfin la saison précédente, plutôt, 7e. Est arrivée 7e. Donc, voilà. Mais justement, pour revenir à ce que disait Steven, le fait que, donc, on espère que l'OM, ça va s'installer, on va dire, durablement. Parce que voilà, tu as évoqué les prolongations, il y a eu les arrivées. Et est-ce qu'on peut parler du coup, comme disait Steven, d'un renouvellement? Est-ce qu'on peut comparer à la saison 2015-2016? Oui, je ne sais pas si on peut comparer, mais un renouvellement, c'est évident. Parce que là, tout le monde a vu les joueuses qui sont arrivées, puisqu'elles ont été affichées par l'OM à grand renfort de tambour. Mais comme je le disais, ils n'ont pas du tout indiqué les joueuses qui sont parties. Et les joueuses qui sont parties, il y en a quand même un grand nombre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je crois, qui sont partis. Le niveau, donc, c'est quand même énorme. Et des cadres qui sont partis. Il y a la gardienne titulaire américaine, Abby Fengold, qui est partie. Il y a Anaïs Mbasidje, qui est l'une des cadres depuis longtemps de l'OM, hein, qui était partie à Soyo, qui est arrivée en équipe de France B. Et puis qui est revenu l'an dernier à l'OM de manière surprenante d'ailleurs. Hein. Bon, et ça n'a pas très bien marché. Et là, elle s'en va avec Marina Macanza, qui était une des cadres de l'attaque, hein, une ancienne internationale, qui part toutes les trois en régional à Monaco. C'est quand même très surprenant, quoi. On a la capitaine Marine Coudon qui s'en va à Albi avec Amandine Blanc, qui était l'une des pionnières de l'OM, donc une des cadres aussi. On a Laura Rueda, qui était la meneuse de jeu de l'équipe, qui s'en va au Havre, qui est promue en D1. Et puis, on a encore Maeva Ripamonti, qui a joué pas mal de matchs. Elle a dû jouer à peu près les deux tiers des matchs comme titulaire, qui part, elle aussi, en régional à Toulon, avec une autre joueuse qui est Capni, qui part aussi à Toulon. Et Iliana Goulet aussi, qui part à Toulon. Et puis Piketty aussi, qui était une joueuse, une cadre dans l'équipe, très très souvent titulaire, qui part à Nîmes en D2. Donc, il faut vraiment relativiser l'importance des arrivées. On va peut-être rentrer dans le détail hein, des noms des arrivées, parce que c'est important. Justement, dans quelles conditions elles arrivent, leur passé éventuellement au niveau sportif. Alors, le gros coup, il y a un gros coup qui est réalisé par le web, c'est la gardienne de but. C'est Karima Benhamer Tayeb, qui était traditionnellement connue sous le nom de Karima Benhamer, et maintenant elle a décidé de mettre le nom de sa mère Tayeb sur son maillot pour rendre hommage à sa mère.
C'est une ancienne internationale qui a joué plusieurs saisons au Paris Saint-Germain, à Juvisy, puis au Paris FC quand il y a eu la fusion, et qui a passé les deux dernières années à Manchester City en Angleterre, qui est l'une des trois meilleures équipes anglaises. Elle a gagné des trophées avec Manchester City, elle a joué, hein, elle était gardienne remplaçante, numéro 2, mais comme la gardienne titulaire a été blessée pendant assez longtemps, elle a joué quand même beaucoup de matchs. Donc c'est une gardienne avec une énorme expérience, c'est une très bonne gardienne, et en plus, bon, je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je sais que c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation en tant que personne. Quelqu'un de très simple, très gentil, très positive. Elle va beaucoup apporter, à mon avis, à l'OM. Donc ça va être une très très bonne gardienne de but. Après, il y a l'arrivée d'une excellente attaquante qui s'appelle Mama Diop, qui est une Camerounaise, qui arrive de Lens, donc qui est une équipe de D2, mais dans le groupe A, et qui a marqué, je crois, 15 buts l'an dernier avec Lens, qui pourtant a terminé 6e, je crois, 5e ou 6e du groupe. Donc c'est une très bonne attaquante, très bonne buteuse. Et il y a trois retours qui sont vraiment très importants à l'OM, qui est la milieu de terrain Sarah Zahot, qui était l'une des grands espoirs de l'OM il y a 3 ans. Qui a réussi qui était... à... Oui. Je t'écoute. Non, c'est pas grave. Qui avait intégré les équipes de France jeunes, U19, et qui est partie à Soyaux. Ça n'a pas marché du tout. Elle est partie immédiatement à Toulon, en Régional 1. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est allée faire là-bas. Et là, elle revient à l'OM. Donc c'est un bon retour parce que c'est vraiment une très très bonne, encore très jeune, hein, mais une très bonne joueuse. Il y a le retour aussi de Ima Mzeissa, qui avait été, qui est apparue, si je puis dire, dans l'équipe de l'OM à partir de la formation il y a 2 ans, et qui la saison dernière a été partie à Lyon, au centre de formation de Lyon, et elle a joué avec les U19 lyonnais, qui ont été champions de France d'ailleurs, il me semble. Et qui a intégré l'équipe de France U20. Et elle était il y a encore quelques jours au Costa Rica avec l'équipe de France féminine des moins de 20 ans. Et tu dis pareil de m'enlever à 4h du matin pour voir l'équipe de France féminine. Et ben, je l'ai vue entre 4h et 6h30 du matin jouer contre le Japon en quart de finale. Et c'est une très bonne petite attaquante. Quand je dis petite, c'est par la taille, hein, parce que je crois qu'elle fait 1m57 ou quelque chose comme ça. Oui, donc elle est vraiment petite. Mais c'est une très très bonne attaquante, vraiment d'avenir. Donc, il y a des retours très intéressants. Il y a Anaïs Hatchi aussi. Je ne sais pas si elle nous écoute, je lui fais des grosses bises parce que je la connais bien. Qui a été la gardienne de but de l'OM pendant les 2 années de D2, les 2 premières années de D2. Et Anaïs, pour la petite anecdote, elle avait joué 41 matchs en D2 sur les 44 possibles. Aucune défaite. Aucune défaite. Quand Anaïs était dans les buts, l'OM ne perdait pas. L'OM a perdu 3 matchs en 2 ans quand Anaïs n'était pas là. Voilà. Donc elle revient, elle sera forcément numéro 2 derrière Karima Benhammer, mais c'est un retour vraiment, vraiment sympathique qui, moi, me fait très, très plaisir sur un plan vraiment amical, quoi. Voilà. Après, les autres joueuses qui arrivent, je les connais moins. Ce sont en général des joueuses assez jeunes. Certaines ont déjà connu les équipes de France de jeunes. Donc c'est assez prometteur, c'est pas mal. C'est pas mal, quoi. Il y a une joueuse qui arrive du Paris Saint-Germain U19, qui est une très bonne équipe aussi, hein. Les meilleurs en U19, c'est toujours Lyon et le PSG, enfin, comme chez Léa, quoi. Et elle s'appelle Nelly Das Cruz Rodriguez, c'est une attaquante. Donc le recrutement est intéressant, mais est-ce qu'il va complètement compenser les départs, qui, on l'a vu, hein, sont des départs quand même de cadre? Point d'interrogation, quoi. Voilà. Est-ce que, par hasard, il y aurait des rumeurs ou autre de potentielles nouvelles arrivées ou... Non, non, je pense que là, il doit être terminé, à mon avis. Enfin, on ne sait pas. Bon, il peut y en avoir. Hein. Il peut y avoir une surprise. Mais... Oui, des opportunités. Ça, c'est... Oui, oui. Donc, moi, ce qui me rend positif, si tu veux, et optimiste pour la saison à venir de l'OM en D2, c'est premièrement, la présence de Yacine Guesmia, qui est un bon entraîneur, qui connaît très bien la D2, donc qui devrait faire du bon boulot. Son message devrait passer. Deuxièmement, c'est l'arrivée de Karima Benhammer dans les buts, parce que c'est quand même une assurance, quoi. Elle vient de la première division anglaise de Manchester City. Elle vient en D2, normalement, elle devrait assurer, quoi. Je veux dire, hein, si elle a pas une défense, si elle a pas une défense en carton complet devant, ça devrait assurer. Et puis le troisième point qui me rend assez
positif, c'est la faiblesse des recrutements des autres équipes. Parce que l'OM ne va pas être seul, évidemment. Il va y avoir à peu près 6 clubs qui vont jouer le maintien, mais qui vont descendre, puisqu'il y a 6 relégations. Je ne vois pas comment elles vont y échapper. Il va y avoir 2-3 clubs qui vont jouer les outsiders, on va dire, en essayant de faire l'exploit de monter. Comme l'an dernier, ça va être Isère et Montauban, principalement. Mais j'ai regardé les mouvements de joueuses dans ces deux équipes. Ça n'a pas beaucoup bougé, il n'y a pas de gros recrutement. Elles ont même perdu certaines joueuses. Donc, à mon avis, elles devraient rester à peu près au même niveau que l'an dernier, quoi. Qui était un bon niveau, hein, attention, c'est un bon niveau. Mais c'était un niveau quand même insuffisant pour pouvoir monter. Après, il y a Nice, qui a terminé deuxième l'an dernier, qui a un très bon groupe avec des joueuses très expérimentées. Mais là, alors, on parlait du silence des départs au niveau de la communication de l'OM. Là, Nice, cette année, c'est le silence total. On ne sait pas qui s'en va, on ne sait pas qui arrive. Donc, on ne sait rien. On ne sait absolument rien. Donc, moi, je sais juste qu'il y a 3 joueuses grâce au site Photo Féminin qui les a signalées. Et j'en profite pour donner quelques lauriers à ce site Photo Féminin qui existe depuis très longtemps et sans lui, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Et donc, qui a signalé 3 départs de joueuses qui n'étaient pas des titulaires à Nice et une seule arrivée de Guingamp, une jeune joueuse qui doit avoir 20 ans, 19-20 ans. C'est tout. Alors, le groupe de Nice de l'an dernier que j'ai vu, puisque moi je suis à Nice, je vais les voir à chaque fois, à chaque match, c'est un très bon groupe. Si on prend juste le groupe des titulaires, elles peuvent être favoris du groupe. Mais il faut le banc aussi. C'est ça. C'est-à-dire que l'OM se place aussi en concurrent, donc là, avec autant d'arrivées, tu m'as dit de manière aussi qualitative, et avec le fait que les autres clubs ne se sont pas, on va dire, renforcés de manière importante. C'est-à-dire que l'OM potentiellement peut jouer la première place qui serait signée. Oui, complètement. Oui, complètement. Parce que Saint-Etienne, qui est la troisième grosse équipe, on va dire, il y a Marseille, Nice, Saint-Etienne. Au départ, sur la ligne de départ, comme favori, on va dire, pour la montée, et il n'y en a qu'une qui montera. Saint-Etienne, qui est relégué donc de D1, a perdu la moitié de son équipe et toutes les joueuses importantes, quoi. Parce que faire l'ascenseur, ça va un moment, mais les joueuses qui sont quand même d'un niveau de D1, même si elles ne sont pas. Ben oui, voilà, au bout d'un moment, elles veulent bien faire l'effort la première fois d'aller en D2 avec la promesse de remonter, mais quand ça redescend encore en D2, ben. Ok, ciao, elles s'en vont. Et donc toutes ces arrivées, elles prennent place dans une logique de, on va dire, de restructuration depuis maintenant plus de 2 ans, comme tu l'as signalé. Il y a Caroline Pizzala, dont on a fait un peu le portrait tout à l'heure, mais on rappelle qu'elle est ex-internationale, qu'elle a joué notamment au PSG, à l'OM, etc. Elle est placée responsable de la préformation. Est-ce que toi, tu connais un peu la politique du club vis-à-vis de la politique de formation et préformation de la section féminine? La politique, comme je le disais, qui avait été instaurée il y a donc 5 ans, je pense, maintenant. Avec le fait de recruter des jeunes de d'autres voilà, régions. C'était vraiment de porter tout l'effort de recrutement sur la région. Ça part du principe que la région marseillaise est une région extraordinaire au niveau football. C'est un vivier comparable, on va dire, au vivier lyonnais et au vivier parisien, qui sont 2 viviers extrêmement riches au niveau du football féminin, des jeunes, des petites filles, des adolescentes. Et donc, voilà, il faut faire venir toutes ces jeunes talentueuses de la région, pas seulement juste Marseille stricto sensu, mais de la région, et les former pour les amener jusqu'à l'équipe première, quoi. Donc, je pense que Caroline, qui est une fille qui connaît parfaitement le football féminin, qui a une expérience incroyable, et qui est une professionnelle jusqu'au bout des ongles. Alors elle, c'est vraiment pas l'esprit amateur. Quand je dis pas l'esprit amateur, j'emploie l'esprit amateur au sens péjoratif là du terme, ce que j'emploie d'ailleurs rarement. Donc c'est une pro très exigeante, quoi. Donc je pense que si elle s'occupe de la préformation et de la formation, ça va donner de très bons résultats à mon avis. C'est un projet sur l'avenir. Donc moi je vais revenir à l'été donc 2021. Là on va parler du coup un peu des acteurs et actrices qui composent le staff. On a parlé de Pizzala.
Et moi, je vais parler de Nathalie Néon-Zimmermann, qui était nommée donc à l'été 2021, pardon, directrice chargée du marketing et des revenus. Dans les premiers jours de sa prise de poste, elle a déclaré auprès de l'agence site internet Made in Marseille, je la cite, 5 ans pour permettre à l'équipe féminine de revenir en première division et de jouer dans les meilleurs niveaux pour pouvoir disputer, alors là, attention, la Champions League comme les garçons tous les ans. C'était le discours en 2011. C'était le discours de 2011, quand l'équipe était en district. Il se donnait 5 ans pour arriver en première division, s'y installer et concurrencer Lyon, le PSG, gagner le titre de champion de France, jouer la Ligue des Champions chaque année et gagner la Ligue des Champions et être le premier club français, voire mondial, enfin européen, pardon, à être champion d'Europe à la fois chez les garçons et chez les filles. L'Européen, c'est foutu puisque Barcelone l'a été. D'accord. Et avant de te redonner donc l'avis, bon, même si tu l'as donné, etc., on sent que, comme tu as dit, ça fait partie d'une boucle aussi communicationnelle. Mais toi, Steven, est-ce que tu y crois ? Bon, on va pas parler de Champions Project parce que, bon, c'est peut-être comparé un petit peu exagéré, mais qu'est-ce que toi, Steven, t'en penses de cette déclaration ? Ensuite, Philippe, bien sûr, tu donneras ton avis. Moi, déjà, pour rebondir à ce que Philippe a dit tout à l'heure, ce qu'on a discuté, c'est que moi, je trouve ça drôle parce que les féminines, elles mettent en avant le recrutement local ou au niveau régional dans sa globalité, mettre en avant le vivier. Et c'est vraiment l'inverse de ce que fait l'OM au masculin. C'est-à-dire que ça fait des années que nous, on a des problèmes au niveau de la formation et qu'on a du mal à cibler les profils, à les intégrer au fur et à mesure dans l'équipe. Et moi, j'ai trouvé ça assez drôle que les féminines mettent en avant ça, alors que les masculins, pas du tout. Mais à Champions Project, moi, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que d'après ce qu'on voit, comment on décortique au fur et à mesure des années, il manque vraiment pas mal de choses. Il manque une ligne directrice, que ce soit au niveau du recrutement et au niveau de la formation, je pense. Et comme Philippe disait aussi sur le fait qu'il y a eu beaucoup de départs qu'on ne sait pas s'ils vont être compensés par les arrivées, quoi. Ouais, c'est un sacré problème parce que se concentrer uniquement sur du local, moi je ne suis pas sûr que ça marche sur le long terme. Parce qu'au bout d'un moment, au niveau féminin, il faut recruter des internationales étrangères, que ce soit étrangères ou françaises. C'est un peu plus compliqué parce que le PSG et Lyon sont vraiment à l'affût, même le Paris FC. Mais à l'étranger, je suis certain qu'on peut cibler certains profils et qui seront ravis, si on a une politique sportive cohérente, de venir. C'est d'avoir la politique sportive cohérente, comme tu dis, mais aussi de mettre les sous, quoi. et de se professionnaliser. Ça peut marcher en D2, encore une fois, on peut. Là, avec l'effectif qu'a l'OM cette année, l'équipe peut très bien remonter en D2. Je veux dire, c'est. Moi, vraiment, j'en fais mon favori. Je ne sais pas si c'est favori numéro un, mais c'est, disons, à égalité, en tout cas avec Nice. Quoi. J'attends de voir quel est le vrai recrutement, s'il y en a un à l'OGC Nice ou pas. Quoi, hein. Bon. Mais en tout cas, l'OM est sur la même ligne de départ. Donc, ça peut monter en D1. Après, si on se donne 5 ans pour concurrencer Lyon, le PSG, c'est-à-dire gagner le titre, ou au moins être dans les 3 premiers, puisque maintenant, les 3 premiers... peuvent jouer la Ligue des Champions, ben là, il faudra passer une dimension supérieure. Donc, il faudra professionnaliser l'équipe, payer les joueuses, qu'elles ne fassent que ça. Et puis, comme tu dis, recruter des joueuses de très haut niveau et à l'international, quoi. On ne pourra pas faire autrement. Donc, ça va être une question de volonté. Et c'est uniquement une question de volonté, mais c'est déjà une question qui se pose au niveau, par exemple, aujourd'hui du PSG. Ça paraît incroyable, parce que le PSG, on se dit, bon, le PSG, c'est les milliards des Qataris, etc., et les féminines doivent en avoir autant, quoi. Et quand on voit la politique actuelle du PSG, qui a vu son milieu de terrain complètement décimé là, à l'intersaison, ben on voit qu'il suffirait pourtant au PSG d'ouvrir le portefeuille, quoi, je veux dire, pour aller recruter n'importe quelle joueuse dans le monde. C'est quand même un grand club qui a été 2 fois finaliste de la Ligue des Champions, et régulièrement en demi-finale de l'épreuve. S'ils ouvrent le portefeuille, ils ont n'importe quelle joueuse qui vient. Ils ne le font pas. Voilà. Donc, c'est vraiment purement une question de volonté. Alors que Aulas, lui, l'a toujours fait. Ouais, et Aulas, il empile, il empile, il empile, il empile les stars internationales, quoi. Heureusement pour lui, d'ailleurs, parce qu'avec tous les malheurs qu'il a
faut bien le dire, hein, l'an dernier, il a eu quand même quatre joueuses qui se sont fait les croiser, quoi. Donc, oui. Ça fait beaucoup. Donc, heureusement qu'il avait empilé des joueuses. Mais voilà, c'est une question de volonté. Chelsea, qui survole le championnat d'Angleterre, ben, c'est pareil, quoi. C'est star sur star sur star. On ne peut pas faire uniquement, effectivement, avec des joueuses locales, quoi. Pourtant, il y a des très bonnes joueuses. Je veux dire, des jeunes joueuses en France, ce n'est pas rabaisser les joueuses françaises que de dire ça. Hein. Au contraire. Bon, on voit bien l'équipe de France U20, elle a fait une très très belle Coupe du Monde. Elle tombe contre les tenantes du titre, japonaises. Les U19, elles ont été plusieurs fois championnes d'Europe. Il y a un très très bon vivier de jeunes joueuses en France. Et certains clubs en profitent. Reims, par exemple, a une équipe qui est très très jeune et qui se comporte très bien en D1. Guingamp, c'est plus difficile selon les années, mais quand même a beaucoup beaucoup aussi de très jeunes joueuses. Donc c'est pas impossible de se maintenir en première division, hein, dans le ventre mou, on va dire, ou à la sixième place, cinquième place, au mieux, avec des jeunes joueuses, mais pas plus. On pourra pas monter sur le podium avec cette politique là. Donc là, il faut voir comment ça se passe cette année. Parce que quand même, les joueuses qui sont arrivées, elles sont assez nombreuses. Ce ne sont pas des joueuses locales, hein, ce sont des joueuses qui viennent quand même d'ailleurs. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même un mélange dans l'effectif entre joueuses qui viennent de la formation, des très jeunes joueuses qui ont 17-18 ans, et puis ces joueuses un peu plus expérimentées qui viennent d'ailleurs, quoi. Et c'est ce qu'il faut, moi, je trouve. Hein. Je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir procédé comme ça. Mais après, il faudra sortir le chéquier. Puis oui, la structure aussi, comme le fait que tu disais qu'à l'époque, l'OM essaie de chercher des joueuses assurées, internationales, etc. Ensuite, ils ont repassé un recrutement de jeunes au niveau local. Là, cette déclaration, elle laisse sous-entendre que bah, ils vont recruter beaucoup d'internationales. Le mercato, comme tu l'as expliqué, de cet été l'a prouvé. Donc, il faut trouver la structure, on va dire la logique aussi dans tout ça, et on va essayer de voir. Du coup, il reste 3 ans après la déclaration de Nathalie Zimmermann pour voir si l'OM va atteindre la Ligue des Champions. Il y a 2 ans. Elle a dit ça. Non, il y a 1 an maintenant. Donc à la fin de la saison prochaine, il restera 3 ans. Et d'ailleurs, donc Nathalie, Néon Zimmermann, donc Longoria, il a licencié, ou en tout cas elle est partie en juin dernier. Donc elle est restée 1 an en poste. Donc elle est partie c'est cet été. On ne sait pas trop pourquoi. Hein. Bon, pareil, on n'arrive pas trop à comprendre. Bon, après c'est le recrutement de cadres, on va dire, administratifs, donc nous, on n'a pas forcément d'infos dessus. Mais ouais. Et donc, après ce départ-là, y a, c'est juste aussi pour la petite anecdote, mais pour montrer aussi à quel point il y a un problème autour du foot féminin, c'est que après le départ de Nathalie Néon-Zimmermann, il n'y a plus de femmes à des postes de direction dans des clubs, dont les clubs masculins de Ligue 1. Ça montre aussi qu'il y a un boys club un peu encore et toujours autour de ces clubs-là. Voilà, les hommes qui se maintiennent, qui maintiennent les hommes dans les postes de direction. Et plus précisément dans le foot, c'est aussi une problématique qui s'imbrique au manque de considération du football féminin qu'on a rappelé en début d'émission, qu'on a traité toute la journée, toute l'émission, et puis de manière générale de la place des femmes dans le monde du football. Et enfin, pour compenser ce départ, donc Longoria, il a recruté personne, mais il décuple la palette de gestion d'un certain Pedro Iriondo, donc qui était directeur de la stratégie. Est-ce que toi, Philippe, t'as entendu, est-ce qu'il a communiqué sur le football, sur la section féminine? Est-ce que tu connais les orientations? Après, même si là le mercato, on l'a évoqué en grande pompe, mais est-ce qu'il a évoqué médiatiquement, publiquement, la section féminine? Non, je le connais pas. J'ai peut-être raté quelque chose. Hein, c'est très très possible. Ce que j'ai remarqué quand même de positif, c'est au niveau de la communication quand même sur le site de l'OM. Il semblerait que la com ait été un peu, boostée quoi. Là, à l'intersaison, tu vois. On parlait tout à l'heure de la manière dont ils avaient communiqué sur les prolongations, sur les arrivées. Ils ont fait des portraits pour chaque joueuse, c'est assez agréable à voir. Sur la chaîne YouTube, on en reparlera l'an dernier, en dernière partie d'émission, mais il y a aussi le fait qu'ils ont relancé le compte Twitter, etc. Oui, l'an dernier, les matchs étaient quand même diffusés, hein, les matchs à domicile étaient diffusés, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, je pense qu'il y a un effort qui est fait,
depuis 2 ans, il y a un effort qui est fait. Alors, il va falloir que ça se confirme. Et il va falloir que l'OM monte, parce que si l'OM ne monte pas à la fin de la saison, elle va se retrouver donc dans la nouvelle des deux, et qui va être très difficile. Parce que la nouvelle des deux, tu vas avoir tous les cadors du groupe A, qui est beaucoup plus resserré hein, que le groupe B, tous ceux qui n'ont pas réussi à monter. Donc, il n'y a qu'une équipe hein, qui va monter. Donc, on va prendre le pari, c'est un pronostic, hein, que c'est Nantes qui va monter en D1 à la fin de la saison pour le groupe A. Donc, il va rester... Comment ? On donne rendez-vous la fin de saison prochaine. Voilà. Bon. À mon avis, ça va être Nantes. Donc, il va rester Lille, il va rester Metz, il va rester Lens, plus les deux équipes de D2, de D1 pardon, qui vont descendre. Donc, on ne sait pas encore lesquelles c'est. À mon avis, Rodez va peut-être redescendre et peut-être Le Havre va redescendre, je ne sais pas. Ou Soyaux, ou bon. Donc, ça va être une deuxième division qui va être extrêmement difficile. Donc, c'est l'année ou jamais où il faut monter, quoi. Et il faut monter et se maintenir. Dans la restructuration aussi donc de l'équipe féminine, en juin dernier, il y a Alban Sanchez qui a été nommé responsable sportif de la section féminine. Là, je me tourne à nouveau vers Steven qui nous a préparé encore un portrait. Encore et toujours moi. Après, voilà, Philippe, tu auras l'occasion de commenter aussi le portrait. Ouais, donc petit portrait, encore en quelques mots, Alban Sanchez, donc, qui a été nommé responsable sportif en juin dernier. Donc, il a 28 ans. C'est encore plus jeune que Yacine Plutôt, présenté plus tôt. Donc, c'est un pur Lyonnais. Donc, il est né à Lyon, il a grandi à Lyon, il a fait ses études à Lyon. Donc, éducateur dès l'âge de 15 ans. Donc, à mes yeux, football. Donc, pour ceux qui sont de la banlieue lyonnaise, je pense que vous connaissez pendant 8 ans. Donc, au début, il avait en charge les U14, U15. Puis, il a eu d'autres catégories. Et il intègre l'Académie de l'Olympique Lyonnais en 2017 comme agent de coordination, puis sous le rôle de recruteur de la cellule de recrutement de l'OL féminin jusqu'à cet été. Donc, il a vraiment une grosse expérience au niveau du recrutement. Et je pense que responsable sportif, ça va s'apparenter à un rôle de directeur du recrutement, directeur sportif qu'on connaît dans le football masculin. Donc, c'est un homme qui est habitué de l'identification de joueuses, de profils et des suivis de jeunes et du suivi de l'évolution des joueuses qu'il a fait dans les différentes sections qu'il a eues et spécialisé dans la création de groupes élites et avec une forte connaissance des enjeux en termes de formation. Donc, moi, ce que j'ai noté dans le discours qu'il a eu à son arrivée, c'est 3 points. Déjà, dans un premier temps, comme Philippe l'a précisé, on en a discuté tout à l'heure, c'est sa volonté de créer un groupe homogène, donc associer à la fois des compétitrices et des personnes avec l'identité des valeurs marseillaises, mais aussi dans un deuxième temps, faire confiance à des jeunes joueuses complets, à des joueuses expérimentées, donc des joueuses qui ont le niveau pour jouer en D2, mais des joueuses qui auront potentiellement le niveau pour jouer en D1 si jamais il y a monté derrière. Et donc, un recrutement ciblé de joueuses confirmées et de joueuses à fort potentiel. Ouais, je pense que c'est une très très bonne prise, ce monsieur, parce que bon, je le connais pas personnellement, bien sûr, mais son CV parle pour lui. Et comme tu dis, il a été associé de très près donc, à la formation lyonnaise, à la formation féminine lyonnaise, à l'Académie lyonnaise, donc, qui est l'une des meilleures de France, quoi. Il y a énormément d'internationales jeunes qui sortent de ce centre de formation lyonnais. Alors, c'est très difficile pour elle de se faire une place dans l'équipe première de Lyon, bien sûr, avec toutes les stars qu'il y a. Mais de temps en temps, il y en a une qui arrive. Bacha, qui est aujourd'hui en équipe de France, qui est en train de devenir une des stars de l'équipe de France, elle sort vraiment de la formation lyonnaise. Melvin Mallard aussi, qui est en équipe de France, pareil. Il y a eu Emeline Laurent aussi, qui maintenant est partie de Lyon. Il y en a un peu partout. Après, bon, elles partent dans d'autres clubs, évidemment, puisqu'elles ne peuvent pas rester en équipe première à Lyon. Ça se dissémine un petit peu partout. Et si la formation marseillaise réussit à faire les 2/3 de ce que fait, je dirais, la formation lyonnaise,
ou la formation parisienne aussi, qui peut être aussi un exemple, hein, la formation du PSG, ça sera formidable. Oui. Donc ça, c'est vraiment c'est l'arrivée de cette personne, à mon avis, est un point très, très positif. Ouais. Raph, je te laisse reprendre la main. Ben, moi, j'ai une question, même si je pense que tu as répondu tout au long de l'émission. Moi, je vais revenir en 2018, Philippe, où tu avais rédigé et publié une lettre à l'intention de Jacques-Henri Hérault. Tu l'interpellais notamment donc, en soulignant des errements de gestion, en demandant de la transparence quant au budget, etc. Tu avais décrit « Vous n'aviez pas autant le droit de sacrifier ou de laisser sacrifier sans bouger votre notre section féminine, ni les joueuses, ni les supporters, ni même le football féminin. Est-ce que, bon, même si il est là en charge depuis très peu de temps, mais est-ce que tu rédigerais aujourd'hui une lettre, on va dire, à Pablo Longoria? Et oui, quelle requête ou remarque tu ferais? Non, je ne ferai pas du tout la même lettre maintenant parce que le contexte n'est pas du tout le même. Là, j'ai fait la lettre à l'époque à Hérault parce que l'OM avait terminé quatrième et que, quand on en a parlé hein, tout à l'heure, l'équipe a été, on va dire, sabotée. En la laissant redescendre comme ça lamentablement des deux, ça ressemblait vraiment à un sabotage, quoi. Donc là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. L'OM est redescendu en D2 il y a donc maintenant 3 ans. Il y a eu les 2 premières années qui ont été difficiles parce qu'il y a eu le Covid aussi, hein, donc des championnats qui ont été écourtés. La première année, le championnat a duré, je crois, 5 journées. Puis ensuite, 16 journées sur 22. Donc, il n'y a eu que l'an dernier où on a eu vraiment une saison complète. Donc, c'est un peu difficile de faire un jugement, si tu veux, définitif sur la valeur de l'OM, de la section féminine, en absolu, aujourd'hui, quoi. Donc, c'est pour ça que je considère que l'année qui va venir, la saison qui vient maintenant, c'est vraiment une saison où on va pouvoir vraiment juger l'OM. Parce qu'elle repart avec des conditions différentes. Un entraîneur nouveau, qui est un bon entraîneur. Donc, il ne va pas y avoir l'excuse de dire « Ouais, mais c'est un type qui arrive, qui ne connaît rien au football féminin. » Ça arrive souvent, hein, ça, que des clubs prennent comme entraîneur de leur section féminine quelqu'un qui ne connaît rien au football féminin, même en sélection nationale. Ça arrive. Bon, quand Chouafni ou Bergeron ont pris l'équipe de France, ils ne connaissaient rien à la section féminine, au football féminin. Donc là, ce n'est pas le cas. Yacine Gasmia, il a un passé. Le recrutement, même si on peut s'interroger sur les départs, les arrivées sont conséquentes et sont bonnes. La structuration du club et de la section féminine semble bonne. On en a parlé à tous les niveaux. La communication est bonne. Donc, tous les voyants sont au vert, a priori. Et donc, à la fin de la saison, on pourra vraiment juger si, oui ou pas, il y a, disons, du gâchis ou pas dans cette section féminine. Si avec tout ce qu'il y a au départ là, cette saison, l'OM, je ne dis pas rate la montée parce qu'il n'y a qu'une montée. Donc, si elle est floue à monter de 1, 2, 3 points sur un match perdu contre Saint-Etienne ou contre Nice, bon, bah, voilà, c'est le football, quoi, je veux dire. Hein. Mais si elle termine 4e ou 5e derrière Iser ou derrière Montauban, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, et je les ai vues jouer plusieurs fois, et ce sont des bonnes équipes, donc vraiment, je les respecte, ça ne sera quand même pas normal, quoi. Voilà, donc on va attendre quand même la fin de saison, quoi. Voilà. Ouais. Après, est-ce que Longoria s'intéresse à la section féminine ou pas? Ça, je ne suis pas dans sa tête, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il a déjà parlé de la section féminine? Je ne sais même pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler de la section féminine. Ouais, c'est vrai que Longoria, il délègue beaucoup. Mais là, tu parlais de... Justement, c'est le moment ou jamais de viser cette montée, cette saison. Et ah oui, oui. La saison, elle commence le 11 septembre prochain, où elles affronteront Clermont à domicile. Oui. Je ne sais pas, je pense que tu as suivi, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur la prépa des joueuses olympiennes? Elles ont gagné pas mal de matchs. Est-ce que tu as pu voir certains matchs? Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur la préparation? Non, je n'ai pas vu les matchs, malheureusement. La préparation, ben, elles ont
perdu contre, c'est contre qui? Contre Rodez, je crois qu'elles ont perdu 1-0. Donc Rodez qui était l'an dernier en 2-2 avec l'OM et qui est monté assez facilement. C'est une bonne équipe Rodez. Hein. Donc voilà, qui est promu en D1, mais je ne suis pas sûr qu'elles arrivent à se maintenir en D1 parce que le recrutement est quand même très léger. Qu'elles battent l'OM, voilà, c'est pas un scandale, 1-0, ok, ça va. Et après, les autres matchs, non, je les ai pas vus. Donc, mais tu sais, les matchs de préparation, franchement, faut pas trop s'y arrêter. Hein. Ouais, pas trop s'y arrêter, parce que j'ai vu tellement des résultats improbables, que ce soit l'OM, que ce soit Nice, ou d'autres équipes en football féminin. Et après... En championnat, c'est une toute autre musique. Donc, surtout quand l'effectif est autant modifié que celui de l'OM cette année, forcément, tu as des matchs de préparation qui sont un peu tronqués, quoi. Au niveau de la qualité, il faut le temps que les choses se mettent en place. Hein. Après, bon, elles ont un début de championnat qui vont être 4 journées consécutives, parce que le championnat de D2 a toujours des gros trous. avec des espaces de 1, 2, 3 semaines, quelquefois de 100 matchs. Donc là, elles vont avoir 4 journées qui se suivent de semaine en semaine. Et donc, ça va permettre déjà de se faire une opinion. Et ce n'est pas un début de championnat trop difficile, puisqu'elles reçoivent Clermont, comme tu dis, qui est un promu, qui monte de régional. Donc, ça ne devrait pas leur poser de problème. Après, la semaine suivante, le 18 septembre, elles vont à Nîmes. Donc, équipe de D2 déjà, mais qui s'est maintenue ric-rac. Donc ça ne devrait pas leur poser de problème non plus, même si le terrain de Nîmes est assez pourri et souvent fausse un petit peu les matchs. La semaine suivante, le 25 septembre, donc troisième journée, elles reçoivent Yzeure. Ça va être le premier test, parce qu'a priori, Marseille est meilleur qu'Yzeure sur le papier, hein, au départ, mais Yzeure, c'est une équipe très difficile à jouer, qui est très collective, qui est très embêtante à jouer, qui ne lâche jamais rien, qui est assez physique. C'est pas un jeu très joli à voir, mais bon, elles ont été en finale de la Coupe de France. Finale de la Coupe de France pour une équipe de D2, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, ça va être un premier test. Et en plus, elles sont souvent plus à l'aise à l'extérieur contre les gros qu'à domicile. Donc, attention, ce troisième match contre Yzeure. Et après, donc, pour terminer la série de ces 4 premiers matchs, elles vont au Puy, qui va, comme Nîmes, comme Clermont, sans doute faire partir de la... Enfin, sans doute, je dirais pas certainement, quoi... Là encore, je respecte les équipes, mais bon, il y a quand même des logiques qui sont respectées, faire partie de la charrette qui va descendre à la fin de la saison en D3. Quoi. Donc voilà, normalement, l'OM devrait faire un carton plein sur ses 4 premiers matchs. Quoi. On croise les doigts. Et lancer sa saison, ce qui sera très différent des saisons précédentes. Parce que l'an dernier, c'est surtout son début de saison qui a été catastrophique. La fin de la deuxième partie de saison a été assez bonne du côté de l'OM pour terminer avec un bilan à peu près autant de défaites que de victoires, quoi, hein, ça a été à peu près équilibré. Donc elle termine 7e, c'est vrai, très loin du premier Rodez. Je crois qu'elles ont terminé à 24 ou 25 points en 20 matchs, donc ça fait quand même beaucoup. Mais elles ont fait une deuxième partie de saison qui était bonne. Donc si elles continuent sur la lancée, même si les joueuses ne sont plus les mêmes, et qu'elles font un bon début de championnat, ça peut les lancer. C'est très important, le début de championnat, quoi. Parce que là, la D2 a progressé en niveau. D'année en année, ça progresse. Et tous les matchs se jouent avec le couteau entre les dents, quoi. Parce que les petites équipes qui savent qu'il y a la D3 qui arrive derrière et qui va les menacer, crois-moi, les joueuses, même si elles ne sont pas très talentueuses, elles mettent leur trip sur le terrain, quoi. Moi, je le vois à chaque match que je vois de D2 au stade, les joueuses, elles mettent leur trip sur le terrain. C'est ça qui est chouette d'ailleurs aussi dans le foot féminin, c'est que les joueuses ne trichent pas, quoi. Voilà. Même si c'est une petite équipe contre une grosse, ben elles se défoncent, quoi, jusqu'à la dernière seconde. Même si elles en prennent 8, ça ne fait rien, elles jouent, quoi. Donc chaque match est vraiment un combat. Et c'est pour ça que c'est très très important d'enclencher les points dès le début du championnat, quoi. Tu parles aussi de combat, enfin, c'est une bonne transition parce qu'on va passer un peu au volet, finance, budget. Le combat, il est aussi donc, au niveau donc, financier, puisque pour contextualiser, les droits TV pour la D1 féminine, ils sont faibles, voire très faibles, parce qu'on parle d'environ 400 000 euros pour les clubs de D1. Alors imaginez combien c'est pour les pensionnaires de D2, c'est 60 000 euros.
pour les clubs de DLE, et c'est donc trois fois moins qu'en Espagne. Et ça, encore, les chiffres que je vous donne, c'était une estimation, indication Media Pro, donc il y a quand même un petit peu de temps. Donc maintenant, enfin aujourd'hui, il faudrait les revoir à la baisse. Philippe, toi, est-ce que tu... Bon, tout à l'heure, tu as répondu que c'était très compliqué de connaître le budget donné à la section féminine, puisqu'il n'y a aucune information. Est-ce que tu sais s'il y a éventuellement d'autres sources de revenus pour la section féminine ? Il y a les sponsors. Il y a les sponsors, ceux qui mettent leur nom sur les maillots, etc. Et j'ai pas noté, donc je peux pas donner les noms et les détails, mais j'ai vu passer des communiqués du club comme quoi il y avait des nouveaux sponsors pour l'OM féminin, pour la section féminine. Donc ça fait des rentrées d'argent, oui. Maintenant, à quel niveau ça se situe, je sais pas du tout. Je suis incapable de te le dire. Je ne sais pas du tout quel est le budget de l'OM, encore une fois, cette année. Je sais que quand l'équipe était en D1, il était autour de 4 millions à peu près. Enfin, il avoisiné les 4 millions, ce qui était énorme. Hein, ce qui était énorme. Évidemment, on est habitué au budget des équipes masculines qui sont gigantesques. Mais bon, pour ça... C'est dans les top 6. Voilà. Oui. Bon, pour redonner une idée des plus gros budgets, Lyon et le PSG tournent autour de 7 millions d'euros. Ah oui. Ouais, c'est les plus gros clubs, hein, 7 millions d'euros. Donc, une équipe de D2, je ne sais pas combien elle peut être aujourd'hui. Si elle arrive à 500 000 euros, c'est super, quoi. Mais je pense que l'OM doit être quand même au-dessus, j'espère. Qu'une équipe comme l'OM mais encore une fois le problème c'est que ce sont pas des sections professionnelles quoi. Elles relèvent de l'association sportive du club, donc ça limite aussi les budgets hein. Ouais, c'est sûr mais du coup est-ce qu'ils ont d'autres sources de revenus parce que tu as parlé de sponsoring, il y a aussi parfois des partenariats, il y a parfois des subventions. Oui, quand j'ai sponsoring j'enclenche le partenariat avec. Hein. Oui, c'est sûr. Bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'ils ont des revenus liés à la billetterie ? Parce que c'est un sujet quand même assez délicat, parce que souvent, les matchs qui étaient diffusés ou qui sont diffusés sur la D1, il n'y a pas spécialement énormément de spectateurs en France au niveau du football féminin, mais en deuxième division ou lorsqu'ils étaient en première division, est-ce qu'ils avaient une certaine rentrée d'argent au niveau de la billetterie ? Écoute, s'il y en avait une, c'est du pipi de chat, quoi. Ah. C'est du pipi de chat. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec 150 spectateurs hein? Ouais. S'ils payent, si c'est payant. Parce que je vois, par exemple, à Nice, les matchs en D2, c'est gratuit. Tu rentres, c'est gratuit. Tu payes pas. Il n'y a pas d'entrée. Donc, il n'y a aucune rentrée, quoi. Les billetteries, là, je ne suis pas allé à Marseille depuis des années, donc je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Mais à l'époque où j'y allais à chaque match, donc pendant plusieurs années, il n'y avait pas de billetterie non plus, hein, c'était gratuit. C'est l'OM Campus. Oui, c'est l'OM Campus. Ouais. Donc en D1, oui, il y a une billetterie, c'est sûr, pas très élevée. Hein. Mais de toute façon, le football féminin n'est pas bénéficiaire, hein, ça c'est évident. C'est pour ça qu'il y a tant de clubs qui traînent les pieds pour créer des sections féminines ou qui ne s'en occupent pas trop parce qu'ils perdent de l'argent avec. Ils perdent de l'argent parce que il faut payer les tenues, il faut payer les déplacements, il faut payer l'hôtel en déplacement, il faut payer les joueuses. Si tu as des joueuses étrangères, il faut obligatoirement leur donner un contrat fédéral, c'est la loi. Donc là, par exemple, l'OM a fait venir des joueuses étrangères. Camerounaise, Sénégal, bon ben, ça c'est des contrats fédéraux déjà hein, qui sont payés. Donc il y a des sorties d'argent, si tu veux, qui sont pas forcément gigantesques. Hein. Attention, c'est pas des gros salaires, etc. Mais qui sont des sorties d'argent. Et en rentrée, non, à part effectivement les partenariats et sponsoring et les droits télé, effectivement, qui découlent, mais qui sont pas grand chose. Il y a pas grand chose, non. J'ai une question. Donc, comment on peut regarder les matchs de la section féminine, surtout quand ils sont en D2 ?
qu'il y a le Covid, donc c'était difficile. On a parlé de l'OM Campus, mais il y a une plateforme de diffusion spécifique pour regarder les matchs de la sélection féminine pour nos viewers, nos auditeurs. L'an dernier, c'était sur le site de l'OM. Hein. Il fallait aller sur le site officiel de l'OM. Et il y avait un lien, voilà, ça fonctionnait bien. Bon, c'est filmé avec caméra fixe, hein, c'est pas. Vous attendez pas à avoir des retransmissions extraordinaires, hein, y a pas de gros plans, etc. Mais bon, voilà, on voit le match, quoi. Principal, on voit le match. Et c'est déjà important parce que même la D1, je veux dire, on la voit pas. Si on n'est pas abonné, donc s'il faut payer, si on n'est pas abonné à Canal+, personne ne voit de foot féminin en France. À part l'équipe de France, quoi. C'est quand même terrible, ça. Ou alors des et ça, un jour, il faudra en discuter aussi sérieusement. Enfin, moi, à chaque fois, je râle sur Twitter, j'envoie des tweets à la Fédération française de football, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut développer l'envie des gens d'aller au stade, etc. Mais si les gens ne savent pas ce qu'est le football féminin et ne le voient pas, ça ne peut pas leur donner envie d'aller au stade. C'est impossible. Alors qu'en Angleterre, tu as tous les matchs qui sont retransmis soit sur BT, qui est une chaîne publique, soit sur le FA Player de la Fédération, donc c'est une chaîne gratuite qui retransmet 90% des matchs. En Espagne, la majorité des matchs sont aussi retransmis. Le Barça, qui a été champion d'Europe il y a 2 ans, hein, qui domine le championnat d'Espagne, retransmet ses matchs sur sa propre chaîne YouTube. Enfin bon, un peu partout, on voit les matchs, quoi. Et en France, non, c'est réservé à Canal+ et au pognon, quoi. C'est la seule chose qui intéresse le Grette et la Fédération française de football. Derrière les beaux discours sur la grandeur du football féminin français, etc., c'est le fric, quoi. Voilà. Et justement, pour compléter ce que tu dis, donc Dominicano, 1313, nous dit que les matchs aussi sont diffusés sur le Twitch OM. Voilà, c'est vrai que toi, tu parlais de Canal+, comme tu expliquais, c'était que les grands matchs de Ligue des Champions, etc. Donc en plus, c'est pas forcément en prime time ou les matchs de l'équipe de France. Bah, le foot business, malheureusement, les bons côtés, le foot féminin ne le retrouve pas. Non, et en plus, le paradoxe, c'est que le gros danger qui, pour moi, guette le foot féminin sur les années à venir, c'est justement le fric business, quoi. Tu vois, c'est le gros paradoxe. À partir du moment où l'argent arrive en compte dans le foot féminin, ce qui n'était pas du tout le cas avant, ça commence à changer les mentalités, ça commence à changer beaucoup de choses. Les agents arrivent. Avant, il n'y avait pas d'agent de joueuse, quoi. Maintenant, dès qu'une joueuse a 19 ans et a un petit potentiel, pouf, elle prend un agent, quoi. Et l'agent, qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est pas l'avenir et la carrière de la joueuse, il s'en tape, l'agent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein, ce qui l'intéresse, c'est la commission qu'il va pouvoir avoir, quoi. Et ça c'est un petit verre qui est dans le fruit, quand même, du football féminin et qui commence un peu à changer les mentalités. Parce qu'on commence à voir aussi des joueuses qui, avant, seraient restées dans leur club et qui, maintenant, changent de club uniquement pour le fric, quoi. Et justement, Steven, on arrive à la dernière partie de l'émission. Donc, j'ai une question pour Steven. Donne-moi ton avis, tes idées, etc., sur ce que pourrait faire l'OM afin, on va dire, d'améliorer l'attractivité de la section féminine. Est-ce que ça passe par un contenu diffusion sur YouTube, sur des contenus sur Twitter, etc. Dis-moi tout. Ce que je veux dire pour l'OM, ça marche, je pense, pour à peu près tous les clubs féminins. Moi, je pense déjà qu'il faut axer vraiment du contenu au niveau de la communiquer au maximum. Parce que là, on l'a bien vu, les gens s'intéressent un petit peu plus déjà aux résultats et à l'actualité au niveau des féminines. Parce que Marseille, cet été, s'est dit, vas-y, on va un peu plus communiquer sur les réseaux sociaux et diffuser, montrer les résultats, montrer que le nouveau staff qui arrive, etc. Parce que le staff qui arrive, il y a quelques temps, on n'était même pas au courant, tu vois. Et moi, je pense qu'aussi qu'il faudrait axer sur le développement, se positionner sur les nouveaux réseaux sociaux aujourd'hui, où sont les jeunes, où sont les personnes qui suivent un peu le sport. Je pense notamment à Twitch, où Marseille aujourd'hui diffuse les matchs, diffuse certaines conférences de presse, diffuse certains contenus. Moi, je pense à des questions-réponses où il y avait avec l'OM masculin, Jorge Sampaoli,
où c'était un peu plus immersif. Moi, je pense que au niveau du football féminin, il faut qu'il y ait du contenu où on se sent un peu immiscé, qu'on sache un peu ce qui se passe, parce que nous, on voit des noms de joueuses, mais on les connaît pas. Moi, je pense que ce serait intéressant d'un peu plus les connaître, parce que au-delà de leur nom, je pense qu'il y a des personnes derrière, des cultures différentes. Il y a des Américaines, des Anglaises, des Camerounaises. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment le collectif, où elle se noie dans le collectif, comment elle s'est intégrée ou non, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision-là et se positionner aussi sur TikTok, où il y a pas mal de vidéos et tout ça. Et moi, je me dis, voilà, même des vidéos où elle parle face caméra, qu'elle se présente, qu'elle dise quelques mots, celles qui parlent pas français, qu'elle parle un peu français ou qu'elle parle même dans leur langue d'origine, pour que, justement, on ait ce contact-là. Et je suis certain, moi, je mets ma main à couper, que certains qui suivent même pas, particulièrement le football féminin, serait curieux de voir certains matchs, de regarder certains matchs, certains mêmes résultats, pour justement voir si la joueuse en question, les joueuses, le groupe, comment ça s'est passé. Et ça pourrait relancer cette attractivité du football féminin ou de l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que si on développe cet aspect communication, on va se sentir plus proche justement du club en question et ça va relancer notre intérêt à nous. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et le club l'avait fait, je ne sais plus si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, avec régulièrement des portraits comme ça de joueuses qui se présentaient, qui parlaient pendant quelques minutes. C'était pas très long, hein, c'était une petite vidéo, mais c'était sur le site de l'OM, sur le site officiel, qui est un site que je trouve abominable personnellement. J'y comprends rien à ce site. Non, mais Il est avant, pas. le site était riche, les menus étaient clairs, tu pouvais remonter sur des trucs anciens. Enfin bon, là, maintenant, moi, j'y comprends rien à ce site. Bon, il est vraiment horrible. Donc, je ne sais pas s'ils vont continuer à faire ça, mais effectivement, bon, tous les supports dont tu as parlé, la vidéo, je ne les connais pas, parce que moi, je suis un vieux mec et donc je ne connais pas tous ces trucs de jeunes. Mais effectivement, bon, ça serait bien que le club les fasse. Hein. Et oui, c'est très bien. Et je pense que l'approche que tu proposes de passer par la connaissance individuelle des joueuses et de leur culture, etc., peut être une très bonne chose. Parce qu'en général, pour en connaître vraiment énormément personnellement, les filles qui jouent au foot sont des filles très nature et très sympa et qui se prennent pas la tête, qui sont très nature, qui sont en général assez intelligentes. Enfin, je veux dire, quand tu regardes et que tu écoutes les interviews de joueuses et que tu mets en parallèle les interviews de joueurs, je suis désolé, mais il y a vraiment un fossé, quoi. Et puis c'est vrai aussi que Les on discours parle sont beaucoup beaucoup plus de. articulés chez les filles que chez les mecs, quoi. Voilà. Ça peut paraître du sexisme à l'envers, hein, ce que je dis là. Et certains me le reprocheront certainement, mais c'est la réalité, quoi. Vraiment, c'est la réalité. Puis c'est vrai qu'on peut corréler ça aussi au fait qu'il y a pas mal de joueuses qui avaient cumulé ça avec on va dire un autre emploi, donc qui sont moins dans un Oui. couple que les footballeurs aussi, Oui, pas tout à fait. masculin, donc forcément pas le même recul, pas le même analyse, pas le même point de vie, etc., de réflexion. Donc effectivement. Oui, et puis elles sont pas nées footballistiquement, elles sont pas nées une cuillère en argent dans la bouche, quoi. Le petit jeune qui sort du centre de formation de l'OM, de l'OL, du PSG, etc., qui a 18 ans, il est déjà professionnel, il signe un contrat, il gagne je sais pas combien de centaines de milliers j'allais dire de francs, d'euros par mois. Il est complètement en dehors de la réalité, quoi. Alors que toutes les joueuses, elles ont galéré pour être là où elles sont. Elles ont galéré. En plus, elles se sont fait insulter par une bonne partie des mecs pendant toute leur carrière. Et effectivement, elles ont connu autre chose que le foot, quoi. Et ça donne un éclairage et une réflexion qui est complètement différente. Elles relativisent. Et ça se voit sur le terrain quand elles jouent, même au niveau international. On voit qu'elle joue pour le plaisir, quoi. Et tu le vois dans la manière dont elle joue. Je veux dire, elle joue. Elle calcule pas, elle joue. Je sais pas si vous avez regardé les matchs de l'Euro, et pas seulement de l'équipe de France, mais les équipes vont de l'avant, elles jouent.
ça passe pas 3 heures à jouer comme au handball, à se faire passer le ballon de droite à gauche. Même quand tu prends les Espagnols, par exemple, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé récemment. On connaît le jeu espagnol. Toutes les équipes espagnoles et toutes les sélections d'Espagne jouent de la même manière. Hein, on le sait, le jeu de possession, les passes courtes, à une touche de balle, etc. Mais chez les garçons, ça ressemble de plus en plus à du handball. Hein, ça tourne pendant 3 heures quoi, en latéral. Alors, c'est très beau à voir parce que techniquement, c'est millimétré, mais c'est quand même, au bout d'un moment, c'est un peu gonflant. Quoi. Les filles ont la même tactique, la même culture footballistique, mais ça va vers l'avant. Ça joue de la même manière, mais vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Rapide, plus face à la transition, moins dans certains aspects de contrôle exacerbé qu'on peut retrouver chez certains entraîneurs avec des préceptes très... Exactement. Et puis bon, il y a pas la sous-possession, etc. C'est vrai. Et puis bon, il n'y a pas les réflexes non plus de simulation, etc. Bon, ouais. Je dis toujours, quand une joueuse est par terre et qu'elle reste par terre, c'est qu'elle a vraiment mal, quoi. Et alors, on va devoir un peu faire vite parce qu'on a encore juste 2 questions avant de terminer l'émission. Je suis désolé de couper le sujet, même si c'est passionnant, on pourrait parler de tactique du football féminin encore pendant très longtemps. Et moi, je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, Philippe. Enfin, tu nous as dit que tu avais eu des problèmes, on va dire peut-être avec, peut-être pas la direction de l'OM, mais certains postes en place, parce que toi, tu as suivi, comme on l'a dit, énormément les féminines, tu as été aussi au contact d'elles, tu as fait des interviews, tu as immergé, on va dire, la section féminine. Et moi, si j'ai une question, c'est en fait, comment du coup l'OM, au niveau communication, donne des retours sur la section féminine ? Si je te pose cette question, c'est aussi... parce que j'ai écouté une très bonne émission, d'ailleurs on recommande à tous, à toutes et à tous d'écouter, c'est Mouad Aerts dans son podcast, OM Champion de Podcast. Lui, il décrivait qu'il y avait un désaveu du club lorsque des renseignements sont demandés sur la section féminine, c'est-à-dire que le club, en gros, il répondait limite à Mourad, pourquoi tu t'y intéresses, etc., c'est pas hyper important. Toi, quel a été ton rapport avec le service com de l'OM ? Est-ce qu'on t'a donné beaucoup d'infos, etc. ? Est-ce qu'on t'a laissé mettre en place des interviews, etc. ? Comment s'est articulé un peu ton... Oui, pendant 3-4 ans, ça s'est très très bien passé. J'avais la confiance d'abord de Christophe. On était devenus, on peut dire, amis. Donc j'ai fait une quinzaine d'interviews de lui. À chaque fois, c'était pendant une heure et demie en roue libre, quoi. Je veux dire, on parlait tout à fait franchement. C'était vraiment très agréable. Donc j'avais sa confiance. J'étais la seule personne qui faisait un site qui suivait l'OM féminine. Donc c'était à la gloire de l'OM féminine, hein, de la section féminine de l'OM. Donc ils le savaient, ils en profitaient, bien entendu, et c'était tout à fait normal. Je leur servais à quelque chose, et les rapports étaient bons. Quand je demandais des informations, on me les donnait, sauf en général sur le plan médical, où là, c'était si une joueuse était blessée, on ne me disait pas de quoi elle était blessée, etc. Ça, c'était secret médical. Bon. Et puis, petit à petit, j'ai quand même découvert, ce qui m'a pas surpris, en fait, parce qu'il y avait toujours des petits éléments qui me l'indiquaient au départ, que c'était un club, et que c'est un club, je pense, qui est profondément paranoïaque. Mais vraiment profondément paranoïaque. Qui se méfie de tout. Et bon, on le retrouve chez les supporters aussi, hein. Bon, je le dis avec beaucoup de gentillesse, mais... tout le monde pense que tout le monde déteste l'OM, veut la mort de l'OM, etc. Alors que c'est le club le plus populaire en France. Le dérange, etc. Oui, voilà, le club dérange, donc on veut le couler, etc. On nous en veut, il y a des ennemis, on nous surveille de partout. Enfin bon, donc faut pas dire ça. Et ça s'est révélé de plus en plus. Mais cette paranoïa, elle existe aussi chez les gens qui sont aux manettes de la communication. Et c'était le cas pour la personne qui était aux manettes de la communication. Et c'est avec elle, et uniquement avec elle, que j'ai eu des problèmes. Pas avec les autres personnes. J'ai pas eu de problème avec le club, j'ai pas eu de problème avec les dirigeants qui ne connaissaient pas et que je connaissais pas. J'ai pas eu de problème direct avec Christophe. J'ai eu le problème avec une personne qui avait simplement une grosse influence dans la section féminine, une trop grosse influence pour son poste,
Alors, je ne vais pas lui faire de la publicité en parlant de lui parce que j'en ai vraiment pas envie. Mais voilà, c'est la seule personne avec qui j'ai eu un problème parce qu'en fait, je lui faisais de l'ombre avec mes articles. Voilà, parce qu'il était à la communication et que moi, je faisais de la communication aussi dans mon à ma manière, hein, en faisant des articles de compte-rendu, de critique, etc. quoi. Et que, bon, peut-être que mon site était un peu trop populaire auprès des joueuses, de leur famille, de leurs amis, des supporters, etc. Ça marchait bien, quoi, voilà. Et que, bon, il y a des gens qui sont un peu tordus, quoi, voilà, et qui apprécient pas, et ça s'est fait comme ça. Mais de toute façon, les clubs, d'une manière générale, sont très, très méfiants quand tu veux les contacter, avoir des interviews. Ils veulent vraiment savoir pour qui, pourquoi, quelles questions on va poser, plus ou moins, hein, tu es plus ou moins libre, etc. Bon, c'est un peu normal, je veux dire, c'est un peu normal à la base. Après, quand tu expliques bien, etc., que tu es clair dans tes intentions, ben là, tu vois si le club réagit normalement, sainement ou pas, quoi. Voilà. Okay. Après, moi, j'avais travaillé pour le site Footdel, et donc j'ai fait des interviews aussi de joueuses d'autres clubs, je veux dire que l'OM, etc., même à l'étranger, à Francfort. Pas les mêmes, les mêmes choses qui ressortaient. Enfin, dire que les autres clubs n'ont pas eu à vouloir contrôler la communication, etc. Ça dépendait. Les clubs étaient toujours méfiants au départ. Mais après, encore une fois, quand tu t'expliques bien, que tu dis qui tu es, pourquoi tu le fais, etc., bah ça, tout de suite, ça se détend, quoi. Voilà, ça se détend, et ouais, il n'y a pas de problème. Après, bon, bah, ça peut dépendre aussi des joueuses, hein. Y a des joueuses qui sont très méfiantes, rarement, mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé quand j'étais à Footdel, j'ai une joueuse qui exigeait que je lui envoie la retranscription de l'interview pour qu'elle la corrige, etc. Et elle l'a corrigée alors que c'était la retranscription intégrale, quoi, je veux dire, hein. Pas vraiment de ce qu'elle m'avait dit. Voilà. Donc ça dépend, c'est quand même très variable, quoi. Mais l'OM, bon, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Ok, bah, je pense qu'on pouvait pas, on va dire, mieux terminer ce live en disant que bah, l'OM, c'était comme ça. Ça va, malheureusement, j'imagine, perdurer. Et en tout cas, bah, on te remercie énormément, Philippe, d'être venu nous donner ton analyse, parce que c'est encore une fois très intéressant de t'entendre. On rappelle que sur ton compte Twitter, donc, tu parles aussi du foot féminin en général. Tu vas continuer, j'imagine, oui, à suivre le l'OM et à le retransmettre sur ton compte. Donc on invite tous et toutes à suivre ton Twitter. Donc c'est @philippeserve06. À nous suivre aussi donc sur notre chaîne Twitch, pardon, j'en perds mes mots, InfoMFR, sur notre compte Twitter InfoMFR-du-bas. Voilà, donc on est encore une fois, hein, merci Philippe d'être... Merci à vous, merci pour cette belle animation, pour les jolis portraits de Steven. C'était vraiment très très intéressant. Moi, ça me fait très plaisir qu'il y ait une émission comme ça qui soit consacrée entièrement au football féminin et à la section féminine de l'OM. C'est un bel hommage à la discipline. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté et que ça les a poussés, que ça les poussera à aller voir des matchs, à s'y intéresser, à avoir un œil, peut-être une approche différente de la discipline. Des filles qui jouent au foot, elles le méritent vraiment. Il y a des choses formidables qui se passent. Et puis voilà, et j'espère que ça va bien continuer. Et bravo à vous pour votre travail, en tout cas, de manière générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer à faire à continuer notre travail aussi de couverture de l'OM. On essaye de s'intéresser pas qu'au masculin. On va essayer de rentrer aussi dans les acteurs, les actrices du club plus profondément. On va aussi remercier Dominicano 1331 qui nous remercie. Bah, merci à toi de nous avoir suivis. T'étais là depuis toute l'émission. Donc voilà. Tu nous as dit que c'était super intéressant. Donc la remarque était très sympathique, on l'apprécie. Donc on indique aussi que le replay va être disposé sur YouTube dans la soirée ou demain, et puis on la partagera sur nos réseaux sociaux. Et Philippe, merci encore. Steven, merci à vous. Et moi. Merci à toi. Merci. Et bah, bonne soirée à vous deux, bonne soirée au chat, bonne soirée aussi à Yas qui a géré la partie tout ce qui a touché à la régie. Donc merci l'homme de l'ombre ce soir.
Et merci à celui aussi qui va donc rediffuser ça sur les plateformes. Donc, merci à lui, merci à tout le monde. On se retrouve bientôt. On ne sait pas si on va pouvoir couvrir le match de la section masculine ce week-end, mais on se tient au courant. Et merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne fin de soirée. Merci, ciao. Ciao.